concierge de Cergy rêve d'un forfait à prix serré et d'un opérateur qui s'adapterait à lui, lui répondrait le soir, le rappellerait quand il le décide ou lui proposerait un rendez-vous en boutique quand il le souhaite. Ah oui, ça, Serge, il en rêve. Eh bien Serge, bonne nouvelle, votre rêve est devenu réalité. En ce moment, le forfait Sensation 50 Go avec tout le service Bouygues Télécom est à seulement 9,99€ par mois pendant un an pour les clients Bibox, puis 29,99€. Appelez vite le 3106. Appel gratuit depuis un fixe, engagement un an, offre soumise. Il y a des jours où on a l'impression d'être une rockstar. Et d'autres où on se prend pour une reine de la disco. Avec Spotify Premium, écoutez la musique la plus adaptée à votre état d'esprit, sans publicité pour casser le rythme. Et grâce à l'écouteur Connexion, vous pourrez emporter votre musique partout, même là où ça ne capte pas. Profitez de Spotify Premium pendant 3 mois, dès aujourd'hui, pour seulement 99 centimes. Thank you.
Bonjour à tous et bienvenue sur le live. Bon, des trous, des petits trous, toujours des petits trous. Ouais, j'arrive pas à régler là. Tant pis, ça fera l'affaire. Désolé d'être en retard ce soir. On a fait plein de trucs avec les copains. On a notamment... je m'entends. On a notamment modifié les panneaux sous le stream. Donc si vous voulez donner votre avis... Vous êtes les bienvenus et on est parti pour faire du Pillars of Eternity. On va continuer là où on en était tout à l'heure. C'est-à-dire dans la baie du défi. On venait d'aller voir l'ambassadeur des républiques veiliennes. Qui nous a intimé l'ordre d'aller aux Ormes Jumeaux pour accomplir la mission de Parmigiano, la paladin. Donc, à l'assaut! Alors, on a aussi une quête, mais qui joue avec les marées, donc ça, c'est un peu chiant. On va voir si le problème s'est résolu. On va bien voir, c'est à la faveur d'Ondra. Il y a des monstres à péter. Malheureusement, ça dépend de la mer, en fait. C'est un peu casse-gueule. C'est où exactement? C'est là. Ah non, c'est encore la marée. Bon, bah on laisse tomber. Hop! On reviendra un autre jour. Autrement, on a des primes. On peut faire des primes pour essayer de gagner. Amico. On pourrait faire moult primes pour gagner du pognon. Un messager du palais ducal de la baie du défi est arrivé à Kednua. Oui, bon, on verra plus tard. Un grand rôdeur des forêts connu sous le nom de l'habitant. Alors, apparemment, je vais me faire péter si je vais voir. Moi, ce que je vais tuer, c'est l'ogre chaman. Il est quelque part aux ormes. Voilà, on va aller aux ormes. Tout le monde est reposé. Alors, comment est-ce qu'on va aux ormes? Les ormes, c'est par là. Je suppose qu'on doit passer par Dyerford. Allez, c'est parti. Oh, j'ai des trous dans le front. Mon front ressemble à mon fond vert, apparemment. Est-ce que j'allais clear cette map? Oui. Okay. On cherche un ogre chaman qui bute un peu tout le monde. Je vais changer ça vite fait. Faire quelque chose comme ça. Voilà. Les gorges de Stormwall, allez. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, hein. On va faire une petite save et on est parti pour explorer la zone. I shall be discreet. On va prendre les petits champignons, c'est important. Je crois que c'est important pour se faire des enchantements. Druide sauvage. C'est parti. Ils sont plusieurs, ok. Et ils m'ont vu. Ah oui, ils sont beaucoup même. Ok. Et là, ils viennent de me lâcher une zone. Bon, alors, on est parti. Est-ce que j'ai une idée de la résistance des bonhommes? Ok, j'en ai pas pour l'instant. Bon bah, on va être en mode attaque pépère. Ok, il se transforme, ça y est. Alors, on commence à zoner. Paf. Ok, très bien. Oh la vache, je viens de me prendre un éclair dans la meule. Double zone, voilà. Il commence à prendre cher, très bien. Moi, Rameau, tu claques un charme sur un des mecs qui a le plus de vie si j'arrive à le cibler. Voilà. Eder, renversement. Eder est où?
Eder est là. Renversement sur lui. Parmigiano. Lame de feu. Ouais, Parmigiano, exactement. Ça va très bien, et toi? Est-ce que le chat est en folie? Ouais, Parmigiano. D'accord, elle est là. Ouais, donc je peux enflammer. Elle est engagée sur qui? Putain, je le vois pas. Engagée sur lui. Ok, je peux l'enflammer, lui. Toi, tu vas attendre un petit moment. Kana est en train de se charger. Il est déjà à 2. On va laisser se charger. Voilà, gros coup critique dans la face. Parmigiano, tu vas du coup nous enflammer quelqu'un d'autre maintenant. Tu vas nous enflammer celui-ci. On va utiliser Durance, on va utiliser son soin histoire de pas commencer à attaquer notre santé. Pour restaurer notre endurance, mais aussi pour augmenter notre précision. Voilà. Donc lui est stun, il a une entrave. Voilà. On fout. Ouais, ça commence à faire mal par contre ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais qui est donc ce colonel parmesan? C'est Paligina. Paligina, c'est une... Putain, par contre, niveau éclair, on va peut-être commencer à calmer nos boules, là. Parce qu'en plus, je me soigne, hein. Mais je vais peut-être plutôt me faire un athlétisme. Ça ira peut-être plus vite. Elle va pas décéder, quand même. Mais elle est morte. Putain, sur un combat tout pourri. Mais non, mais si elle meurt dès le début de l'aventure, il va falloir que je retourne dormir. Non, non. Voilà. Donc, Paligina est une paladin qui vient des républiques veiliennes. Elle est apparemment un peu en bisbille avec son ordre, vu que elle m'a convaincu d'aller voir l'ambassadeur pour lui parler des problèmes que rencontrent les nouveau-nés dans la région. Mais quand je suis venu lui parler, il a dit quelque chose du style « Paligina, tu te fous de ma gueule, c'est pas ta mission de régler les problèmes des autres, on te l'a déjà dit 50 fois, veux-tu vraiment que l'empereur en entende parler ?» Et bah bien sûr, elle fait partie d'un ordre des paladins, et donc se rebeller contre l'autorité, c'est pas hyper bien vu. On va pas se mentir. Pour l'instant, je la trouve, mine de rien, assez faible. Bah, attaquer. Bam! Oh la vache, rien à toucher, ok. Alot, zone. Eder, tout de suite, renversement sur le nounours. Le nounours qui a l'air... Ouais, non, il a pas de réflexe. Paligina. Pour l'instant, elle est assez faible. Elle est assommée. Bon, bah, comme ça. Et c'est un peu embêtant, j'avoue. Enfin, avoir un paladin dans son équipe, je pense que c'est vraiment un énorme plus. Parce qu'elle peut soigner en même temps qu'elle attaque. Vraiment cool. Mais c'est vrai qu'elle ne deal pas max dommages. Je vais péter Paligina. Mais pour l'instant, je le ressens pas, en tout cas. Alors, rezone. Je suis démute Discord, je check juste. Non. Maintenant, oui. PS, Twitch, Hillary. Moi, Paligina, pour l'instant, je la vois en full catastrophe à chaque combat. On va lui faire claquer. Ouais, un athlétisme pour 20 pef, ça fait un peu mal au derche quand même. Non, une autre flamme, écoute. Hein. Non, je t'entendais pas, mais ça y est. Normalement, ça devrait être mieux. Putain, mais non, mais bah non, mais athlétisme, soigne-toi vite. Bon, on va claquer un sort de niveau 2 de soin. Voilà, on va claquer une zone à terre qui va nous rendre... Oh la vache! Là, il y a une zone qui a été lâchée qui fait quand même hyper mal. La zone d'éclair, c'est la même que tout à l'heure qui m'a défoncé le cul. Putain, mais Durance est mort. Mais tout le monde crève à chaque combat. Elle est surtout là pour off-tank et buffer tous ses potes. C'est un couteau suisse, le paladin. Non, mais je suis certain qu'elle va l'être. Peut-être une fois que je l'aurai mieux équipé. C'est possible. D'ailleurs, peut-être que je peux tout de suite augmenter son armure, par exemple.
Hop. Eh ben non. Ah bah si, elle a déjà cet enchantement et en exceptionnel, il manque des trucs, d'accord. Ouais, non. Mais là, c'est pas l'épée de base qu'elle a. Tu peux venir sur Discord si tu veux, Mojo, je me suis démute normalement. Allez, bah on reprend les mêmes champignons encore et encore. Et on va essayer de gagner ce combat. Comment est-ce que je pourrais gagner ce combat? Je vais essayer de mieux me placer. Un là. Archer, arquebusier ici, à l'autre là. Ici. Ici. Là. Ensuite, à l'autre. Non. Aider, on va le mettre là. Alot, tu vas venir là. À moins que je t'entende toujours pas sur Discord, mais... Ici. C'est pas dans le chat, pardon. Problème technique. Et je vais faire une flamme roulante dans leur face. Merde, ça touche aussi mes alliés, par contre. Là, c'est bien. Là, ils vont tous se prendre la belle traînée de feu. Je dis pas de conneries. Ensuite, Eder va sortir de ça. Et Paligina aussi. C'est parti. Ok, attaque. Druide sauvage. En fait, ce sont que des druides. Donc, je sais pas de toute façon qui focus. Donc, on va tous balancer les mêmes focus. Hein. Toi, tu vas monter. Je vais te mettre là. Ok, bon. Très bien. Les gens ne bougent pas. Pourquoi pas. Durance, bah rapproche-toi et attaque le druide là. Hein. Et Paligina. Elle a une entrave. Paligina va aller sur ce druide là. Ah putain, mais ça c'est fort ça. Hein. Ah, puis il tape deux fois. Ok, Alot. Coucou. Coucou Moyo, ça va? Ça va. J'ai l'impression qu'on se fout un peu de ma gueule. Pourquoi? C'est-à-dire que... Ah, j'entends ta musique chez toi là. Pas de musique chez moi. Ah non, bah c'est la mienne. Pardon. Ok. Du coup, les petites quêtes qu'on te donne là, une fois que t'as ton donjon. Ouais. Et... J'ai envoyé un mec là-bas pour aider des corps qui avaient été attaqués par des méchants. Et mon gars, il a réglé le problème et tout. Ils font un festin pour le remercier. Et puis, en cadeau à me ramener, il lui file une ceinture qui t'immunise à la maladie et qui te file maladie quand tu la portes. What? Je comprends pas. C'est quoi le message, là? Tu t'es fait avoir là, j'ai l'impression. Vous voulez vos cabanes ou comment ça se passe? Ah, tu t'es fait avoir là, mon vieux. tout le monde est en PLS et XXL. J'ai peut-être pas le level pour être là, je sais pas. Et c'est le décès. Salut Frozen, comment ça va? Bon. Il me pète la gueule quand même. Hein. Ah, les druides sauvages, ils font mal, hein. Ouais, je viens de voir ça, ouais. T'es resté en moelle, là? Il me semble, ouais. La gorge, là, c'est bloqué par les os. Oui, c'est ça, oui. Mmh. Ouais, ils sont assez forts, hein. Ouais, je vais peut-être partir, hein. Bonne nuit, Frozen, des gros bisous. Voilà. N'hésite pas à sub un de ces quatre si t'as envie, hein, je dis ça. Je vois que t'as perdu ton badge. D'ailleurs, si vous le savez pas, vous pouvez tous avoir un abonnement Twitch Prime gratuit pendant un mois. Et donc, donner un sub à n'importe qui, probablement à un streamer qui vous est dévoué 3 fois par jour au moins, gratuitement. Gratuitement. Ah. Putain, mais j'en ai marre de la marée. À partir du moment où il donne de l'argent, c'est plus gratuitement. Ah si, toi tu payes rien et tu donnes de l'argent. À ton copain.
Ok, bon bah on va plutôt faire la marée. Ah les amis. Parce que j'ai essayé trois fois là de passer ici. À chaque fois il y avait trop d'eau. Ah là, il faut c'est la nuit, mais il te dit le gars qui est en haut des escaliers. Bah je sais, mais j'ai fait passer le temps, j'ai été voir des putes, patati patata. Ah ouais. Bah tu sers les dates. Bam. Ok, double zone. Direct. C'est voilà. Surtout les animaux qui sont dangereux. Les quoi? Les animaux, les trucs. Ah ouais, les fléaux de la pluie, on s'en fout. Ouais, c'est un peu de la merde. Ok. Alod va reculer. Là. Et va lancer. Bon, si, après, si on peut toucher tout le monde, on va pas dire non. Pas besoin de rentrer ses coordonnées bancaires. Bah, en fait, il faut juste que tu links ton compte Amazon. Et ça va te filer Amazon Prime pendant un mois. Donc, t'auras Amazon Prime toi aussi. Voilà. Tout simplement. Tout doucement. Parce qu'en plus, le truc, c'est que les élémentaires, là, comme ça, les blights, c'est des trucs que les druides, ils invoquent. Et quand ils meurent, ils font une explosion. Ah ouais. Du coup, pas forcément toujours une bonne idée de les focus. Tuer. Parmigiano, Anima. BOM! BOM! Ok. D'ailleurs, là, c'est ce truc-là là, que tu peux buff quand t'es level up pour qu'il augmente de 20% la vitesse d'attaque de tous tes potes pendant une dizaine de secondes. Quand tu le fais, ça fait un joli buff d'équipe. De quoi ce truc-là? La technique de Paegina que tu viens d'utiliser. Ah ouais, d'accord. Tu es enflammé. Du coup, il me reste que 3 fléaux. Les animaux sont morts, on est d'accord. Ouais. Allez. Attaque. Con de mime. Oh là, mais pas les Gina, mais c'est le décès encore. C'est main, c'est pas repos. Non, c'est pas rencontre. Elle prend des gros dégâts contondants. C'est main, c'est pas rencontre. Ah, ils ont pas tout le sort de paladin, ils sont pas rencontre. Pas que j'oublie de les utiliser parce qu'elle est en PLS à pratiquement tous les combats, quoi. Eh bien, encore du bon boulot, les gros bêta. Bah en vrai, normalement, elle est pas censée prendre trop de. Avoir plus de. D'une personne, c'est qui l'attaque. Elle peut bien tenir des 1-1, mais. Normalement, c'est Eder qui doit se prendre toutes les claques dans la gueule. Eder. Hop. Bah, petite save de nouveau, du coup, hein. Bon, GG, bon, level up, Frozen. GG. Level 15, ça y est, le premier niveau. En réalité, le 15ème, mais le premier qui est montré sur le stream. Allez, on avance, pépère. Ceci est un anima de niveau 2. Mais pourquoi c'est Durance qui est en première ligne? C'est quoi ces conneries là? Eh les gars, vous avez rien compris au placement que je vous donne. Avec les copains, c'est dit que peut-être je pouvais passer devant. Parce que vu que j'ai un bâton avec de la lumière, ça peut être pas mal pour avancer, non? Surtout que ça fait des jolis reflets dans l'eau. Voilà. Alors. Biki like. On va faire. Alors, combien de défense? On sait pas. Moi, j'ai un murmure de trahison sur un anima. C'est pourquoi pas. Immunisé, d'accord. Bon, il est immunisé contre quoi? Charme, confusion, domination, évanouissement, intoxication, maladie, poison. Et ben on va essayer de le stun avec Alot, on va le zoner. Ça marche pas contre les blights par contre. Tu peux pas les faire. Plus. Écoute les animaux, tout ce qu'il y a des gens. On va rezoner. Paf. Avec Eder, on va faire un petit renversement. Et avec Parmigiano, on va enflammer un type. Parmigiano, elle est où? Elle est là. Là, tu vas l'enflammer, le monsieur. Bam. 10. Ah ouais, c'est pas hyper impressionnant. Elle a allumé le feu, hein. Ça, c'est sûr.
Ah, quand tu vois des dégâts de 3, ça fait plaisir. Mm. qui en PLS? C'est Durance. Durance, claque tout de suite ton athlétisme avant de rentrer dans tes réserves. Et de on est. Tu l'as... De quoi? Non, vas-y, finis. Et on passe en focus sur le dernier animal. Parce que quand tu la regardes, le, en fait, le paladin il peut très bien avoir comme rôle de faire du dégât au corps à corps, mais ses stats elles sont hyper équilibrées après les jeux. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Tu peux pas faire grand chose pour le changer avec des objets. En fait, tu peux évidemment, mais tu vas pas pouvoir y changer non plus des marques. Bruh. Ah, j'adore, elle l'a attaqué, elle a fait BRA! Le son de la marave! Bon, très bien. Bon, bah, ce combat s'est bien passé. Ah! Un truc caché. Potion de puissance et des boules. Mais ça sert à quoi de ramasser les lusques en argent qui sont différents des phénix en argent? C'est de l'argent, c'est tout. Oui. C'est plein de pièces qui n'ont pas toutes la même valeur. Tu sais, comme à l'époque en France où tu avais des pistoles, des ducats, des écus. Mais tu peux les dépenser partout ou que dans les régions Non, tu peux les dépenser partout. Tu vois, d'accord. Tu vois la valeur en vrai, c'est juste pour le RP en fait. D'accord. Qui te disent que, genre, des fois c'est des pièces des Glanfatans, des fois c'est des pièces d'Aedir. Alors, le cadavre d'un jeune garçon gît à vos pieds, à moitié recouvert de saleté et d'algues. Les mains se sont raidies autour d'un poignard, une âme repose à proximité comme confuse et perdue dans le brouillard marin. Atteignez l'âme. C'est ça. En atteignant l'âme, elle vous agresse. La brume incandescente assaillit l'air autour de vous où l'âme ne peut vous toucher mais vous la sentez brûler avec une rage faible et incontrôlée. Calmez-vous et montrez-moi ce qui s'est passé. L'âme, lui, elle ondule autour de vous, d'abord timidement. Alors qu'elle tourbillonne autour de vous, vous ressentez de l'émerveillement, de la peur et la joie de courir entre les navires à midi. En un sursaut, elle vous tire dans les rues autour du Massalé. Les femmes, fardées, naviguent entre les hommes allant et venant hors de la lumière des réverbères. Le père est parti boire un verre, comme toujours. Il a dit qu'il n'en aurait que pour quelques minutes, mais ça fait des heures. L'homme gardant la porte a bien ri lorsque vous avez essayé de lui expliquer cela. Il y a toujours une issue de secours. Dans une allée, deux hommes ont coincé une femme. Ses joues sont striées de larmes. Elle est adossée au mur et regarde ailleurs. Il s'avance encore plus près. Ça, c'est des vrais oppresseurs pour le coup, là. Ah, des vrais, des vrais. Vous vous avancez. Les hommes font à peine attention à vous. Mais la femme vous regarde en vous implorant des yeux. Vous avez déjà vu ce regard. Votre sœur sans âme. La fois où père l'a prise de son berceau pour la déposer dans la vasque plaine. Vous avez été courageux ce jour-là. Un couteau se trouve dans la ceinture du voyou. Il est entre vos mains et maintenant il est dans sa cuisse. Vous êtes petit et rapide mais pas assez. Les doigts se plantent dans votre bras et une botte boueuse vole jusque vers votre visage. Alors tout est assourdi par l'eau froide et saumâtre. L'âme se retire de vous, elle impulse une question. Vous avez fait preuve de courage, les dieux vous récompenseront dans la prochaine vie. Voilà. L'arme de Dérin absorbe cette pensée et reflue dans les brumes de l'océan autour du. Tandis que vous reprenez conscience, vous réalisez que Palégina vous tient la tête entre ses mains à plumes. Ses yeux dorés fixent les vôtres comme si elle essayait de trouver une lueur d'activité au fond de vous. En voyant vos yeux bouger, elle secoue légèrement votre tête et vous donne une petite tape. Elle vous relâche, recule et vous regarde d'un air inquiet. Tout va bien ? Et bien sûr que tout va bien. Le cadavre d'un jeune garçon gît à vos pieds, à moitié recouvert de saleté et d'algues. Ses mains se sont raidies autour d'un poignard. Une âme repose à proximité, comme confuse et perdue dans le brouillard marin. Oui, non. Oui. Je vais prendre le poignard, hein. Une petite arme en plus. Les petites mains ont la rigidité de la mort, mais après un effort, vous libérez le poignard. Il semble trop grand et trop cher pour lui avoir appartenu. La lettre B est inscrite sur le pommeau. Voilà. D'accord, donc c'est probablement l'initiale de la personne à qui il l'a volé. En même temps, un gamin autour d'un bordel, il a rien à faire là. Donc le père est probablement un mauvais père et le gamin un mauvais fils. Les conclusions. Parce qu'on peut. c'est un bon bateau. Les natifs se sont fixés à la coque de ce bateau échoué.
Quelque chose, probablement des doigts à drap, a profondément entaillé le bois. Ceux qui ont tenté de naviguer sur une telle embarcation devaient être désespérés ou inexpérimentés. Et on trouve, transport clandestin, oui. Il me semblait qu'il y avait trois parties, donc il m'en manque une, si je ne me trompe pas. Où est-ce si je ne m'abuse. Ouais, t'as peut-être pas tout exploré. Ouais, non, mais je regarde si... Non, les épreuves, non, c'est pas ça. Prime, un appel à la cour. Non, transport clandestin. Retrouver les morceaux manquants. Donc, il m'en manque bien un encore. Ah bah voilà, on l'a. Ah, je suis fort pour trouver les trucs cachés. Mais... Akai! Et d'ailleurs, j'ai l'impression... Du mauvais shit. Des fois, tu sais, quand tu fais avancer l'histoire et puis que tu reviens dans des endroits où tu es déjà passé longtemps avant, bah y a des nouveaux trucs cachés. Ah ouais? Ouais, ça peut arriver. Ah, nice! Nice! Ok, très bien. Donc, on va aller voir le monsieur qui m'a donné cette quête du pommeau de la mort. Alors, il était vers les quais, c'était un marin. Hein. Il avait un bateau fin comme un oiseau. Oui, c'est lui. Est-ce à propos du sceptre brisé? Avez-vous une idée de ce que votre amie animancienne veut avec cette relique? Elle bricolait toujours avec ses pierres quand nous étions jeunes. Je pensais qu'elle était un peu folle, se retirant dans une pièce poussiéreuse à Brackenbury. Mais après cette horreur sur le bateau, je pense qu'elle a plutôt fait le bon choix. Avez-vous besoin d'autre chose? Ouais. Comment vont les affaires? On va discuter un peu. Faut savoir si c'est un salaud ou pas, et si on l'aide ou pas. Je serais heureux de naviguer avec des capitaines qui font plus attention à ce qu'ils transportent. Je n'ai que faire des lois anti-contrebande du duc, mais je suis trop vieux pour combattre des horreurs aussi anciennes. Je veux juste profiter de mes vieux jours avec un travail honnête. Pourquoi pas? Alors j'ai rien contre la contrebande, mais j'aimerais bien faire un travail honnête. Imatl ne sonne pas derrière Wooden. Contrebande, mais pas trop. C'est précisément parce que ce n'est pas le cas. Je viens des plaines d'Ixamitl, une grande savane au nord de Dyerwood. Pas si différente de l'océan d'une certaine façon. Il y a des endroits où vous pouvez vous installer, faire un tour sur vous-même et ne rien voir à l'horizon sinon le vent onduler dans l'herbe. Je regarde le clapotis des vagues contre le bateau échoué. Et dans un moment comme celui-ci, je me demande ce qui peut pousser un homme des plaines comme moi à prendre la mer. Ok. À propos de la relique. Oui. Ok. Bon bah, j'ai déjà trouvé les morceaux, voilà. Je vais dire que vous avez terrassé ces monstres en armure. Je ne sais pas comment. Écoutez. C'est beaucoup trop stylé. Mais vous êtes trop fort. C'est sûrement parmi Giano qui vous a aidé. Écoutez, si vous le voulez, je vous donnerai le dernier morceau. Il lève l'opale. Et le nom de quelqu'un qui achèterait le tout. Tout ce que je veux, c'est 200 pans pour apporter le chargement d'ici. Vous êtes d'accord? Il m'avait dit 100 au début. Alors, donnez-moi cette opale et le nom, vous allez regretter que ces costumes d'armure ne vous aient achevé. Ah, on peut lui taper, on peut lui taper dessus, c'est important. On peut lui donner des boulasses, on va le prendre par les sentiments, ça a été un très mauvais matelot. Ou les 200 pans pour enfermer le reste de l'équipage dans les cales et couler le bateau. Voilà. Écoutez, pourquoi pas 100? J'essaie juste de te dire jusqu'au prochain boulot. Alors... Moi, je te donne 10 balles et tu te casses. Non, je lui chour. Non, je suis pas un voleur. Je lui donne 100, bien sûr. Ça me fait plaisir. Voilà. Rendez-vous au sanatorium de Brackenbury et trouvez Nance. Elle en saura plus sur cet artefact. Je suis sûr qu'elle en a déjà acheté à l'équipage. Voilà. Bisous. Le mec a besoin de vivre. On a tous besoin de vivre et on a tous fait des choses dont nous ne sommes pas fiers. Même toi? Même moi. Quand je regarde mes premiers streams... Moi, je fais pipi par la fenêtre. Il s'appelle Bragan, lui. J'ai trouvé un poignard. Alors, attends. Voilà, peu importe. Oui, ne m'attaque pas tout de suite, je vais faire une save. C'est comme ça que ça marche. Hop. Tu level up, chat. Bragan, j'ai autant le droit de rester ici que les gars d'aller à la maison close. S'ils n'aiment pas ce que j'ai à dire, ils peuvent aller ailleurs. Ok. Vous avez assassiné un garçon ici il y a 2 jours. Mais de quoi parlez-vous? Même si j'avais tué quelques genoux, vous ne pouvez pas le prouver. On va lui montrer le poignard, tout simplement. C'est à moi et personne ne touche mon poignard sans le regretter.
Ok, épargnez-vous la peine. Pour quelque argent vous pouvez garder votre poignard et votre fierté? Non, non. Il a tué un gamin. C'était un gosse, putain. Voilà. Paf, c'est parti. Tu veux qu'on se tire l'oreille? On a un prêtre là-bas. Ça pourrait être sympatoche de lui péter les genoux. Ça, il peut plus faire de génuflexion. Oui, c'est ça, exactement. Il pourra plus se baisser. C'est difficile pour esquiver les coups quand t'as mal au genou. C'est la mécanique, c'est le core gameplay du prêtre. Moiramo. Vague mentale, ça pourrait pas être dégueu. On va voir comment les gens vont se mettre en place, déjà. Ok. Donc, Parmigiano, tu vas faire un 1-1 contre le monsieur. Tu vas lui enflammer la tête. Toi, j'aime pas du tout la position que tu prends. Je n'aime pas votre ton, jeune homme. Voilà, il t'attaque lui. Voilà. Très bien, maintenant, Alot. Alot. Alice Sabri. Très bien. Même pas besoin de donner d'ordre, ils sont juste trop forts, les mecs. Eh ouais, ça c'est mon groupe. Bah du coup, non, on va plutôt faire une brûlure. Tu vas nous cramer la brute. Et pendant ce temps, toi, tu vas augmenter notre précision. Voilà. Kana, invoque. Squelette. Paf. Renversement. Paf. Alot. Zone. Pouah ! Oh, pouah, ce qu'il lui a mis quand il était à terre. Ah, il a fait du sale, la Durance, hein. T'as vu ça ou pas? Vous avez vu? Le mec était... Mais non, mais il a pris son bâton, il lui a explosé la gueule et le mec a explosé sur un coup critique. C'était d'une violence, en vrai. Ah, un petit grimoire. Et le reste dans la stache. Et t'as toi? Gros bonus de chance de toucher quand les mecs sont à terre. Bah, normal. C'est aussi pour ça qu'on veut les mettre à terre. C'est bon, ils sont à Walp. Par contre, je les ai tués, mais je sais pas à quoi ça sert. Bah, t'as porté justice? Oui. Oui, mais bon, des petits sous, pourquoi pas? C'est intéressant. Le gamin, il avait peut-être une famille. Bah oui, non, mais oui. Mais Serge de Sergi, faut que je me paye un abonnement premium Spotify. Là, j'en ai marre de cette pub, Sergi. Sergi, ça me fait toujours penser au chat de Norman. Vous travaillez, oui, voilà. Les ducs des républiques véliennes. Ça doit être bien de toujours savoir qui servir. Ouais, j'en fous quelque part. Donc le père, alors il y a une femme là. Petite fille afghane. Non, c'est pas ça. Donc on nous a dit que le père était probablement un alcoolique. Ouais, qui a laissé tomber son fils pour aller s'encanailler. Bien sûr, on va aller voir ce qu'il y en a. Hein. Parce que moi, le Massalé, je connais, c'est un peu ma zone. Donc ça, non, ça, non, ça, non, ça, non. Maka, on connaît. Orico, c'est un prostitué. Wade. Hey, salut Chapta et bienvenue sur le stream, comment ça va? Welcome, bro! Les yeux de Wade sont cerclés de rouge et son regard est distant. Il contemple une chope sale, comme s'il cherchait quelque chose. Il tremble et prend un autre verre. Pourquoi ne prenez-vous pas l'un de ces tabourets? Il fait des gestes en l'air dans votre direction. J'ai nulle part où aller, pas avec ma femme, dans son état et mon fils, moi. Mais c'est mon fils, ma bataille, putain! Fallait pas qu'il s'en aille! Son visage se glace d'une expression blessée, il retourne au bar en marmonnant dans son verre. Ok, très bien, on va s'asseoir. Non, on va lui péter la gueule. Non, on fait comment? Quoi? Le mec, je le retrouve, on peut pas parler. Ah, très bien, Chaptaï, on est en train de jouer à Pillars. Pillars of Eternity. Un gros RPG successeur de Baldur's Gate.
Et là, Hello! Is it me you're looking for? Merci beaucoup pour le host, le Salty Club. Bienvenue les amis, bienvenue sur le stream. Faites-vous une petite place, mettez-vous à l'aise parce que on va confronter, parce que du coup on a appris qu'il avait une mère, on va confronter un père alcoolique sur la mort de son enfant. Juste avant, on va aller tout dire à sa femme. ton mari, c'est quand même un gros connard. Parce que plutôt que de traîner son fils à la pêche, il a été au bordel et ton fils, il s'est fait buter. Alors que ton fils faisait le bien. Il a défendu une prostituée qui allait se faire violer. Donc, merci papou, quoi. Alors, cette quête, elle est pas finie, mais faut qu'on trouve Derain le courageux, voilà. Dramacinda, j'ai découvert le cadavre, sa famille voudra connaître son destin, j'ai tué Bragan et ses hommes. Bon, on a fait le plus dur, on a tué tout le monde, j'ai peut-être pas... Il me semblait avoir visité tous les lieux, moi. Et donc ouais, Shaptai, c'est un RPG à l'ancienne, c'est un peu l'héritier de Baldur's Gate. Ok, c'est pas là. En gros, tu contrôles un groupe de 6 personnages. Tu as un univers qui regorge de quêtes. Et... les quêtes sont assez ouvertes en fait, selon les caractéristiques de tes personnages et la personnalité que tu donnes aux personnages, tu vas faire plus ou moins certains choix qui vont te permettre d'avancer dans l'histoire et ces choix auront une plus ou moins grosse incidence en fait. Donc super agréable, là en fait je me balade dans la rue. J'ai trouvé... alors, mon personnage a un pouvoir spécial, il peut voir l'âme des gens. Et donc, j'ai trouvé l'âme d'un gamin qui s'était fait buter. J'ai interrogé cette âme et donc le gamin m'a montré un peu ce qui s'était passé dans sa vie, juste avant de mourir. Et en gros, il accompagnait son père. Son père lui a dit « Attends, gamin, bouge pas, je reviens dans 2 minutes. » Il est parti au bordel et il en est jamais revenu. Le gamin, pour retrouver son père, a voulu rentrer dans le bordel. Et bien sûr, le videur l'a pas laissé rentrer. Donc il a cherché une sortie de secours. Il a trouvé dans une ruelle, mais quand il est arrivé vers cette sortie de secours, il a vu une prostituée qui était en train de se faire malmener par... infection contre le virus. Une prostituée qui se faisait malmener par des brigands. Ni une ni deux, il a pas réfléchi, il a foncé dans le tas, il a attaqué les brigands. Malheureusement, ils étaient plus forts que lui et ils l'ont buté. Donc le gamin, voilà, j'ai libéré son âme pour qu'il parte en paix. J'ai retrouvé les brutes, je les ai mawashi guéris, donc ça c'est bon. J'ai retrouvé le père alcoolique qui veut pas me parler. Donc là, je vais aller voir la femme. Apparemment, c'est elle. La femme a l'air de ne pas avoir dormi depuis plusieurs jours. Ah, avant de commencer à lire. Salut Saint-Pédi, comment tu vas? La femme a l'air de ne pas avoir dormi depuis plusieurs jours. Ses cheveux ne sont qu'un amas entremêlé et ses yeux sont creusés par les cernes. Elle lance un regard anxieux vers la porte. Que ça grandisse quelque part entre l'espoir et l'appréhension. Êtes-vous ici à propos de Derain? J'ai trouvé Derain. Tintin. La mère soit louée, où est-il? Ah, je peux mentir. Tu peux toujours mentir. Souvent. Alors, soit je lui dis la vérité, Derain a été assassiné des eaux. Soit je lui dis, il est parti vers d'autres horizons. Un groupe de marins l'a vu embarquer sur un vaisseau veilien. Il a dit qu'il allait chercher une vie meilleure loin de la baie du défi. Donc quelque part ça lui fait mal parce que son fils l'a quitté, mais d'un autre côté elle ne sait pas qu'il est mort et donc elle n'aura pas à faire son deuil. Voilà, elle vivra en se disant il a sûrement trouvé une meilleure vie. Soit je ne sais pas comment vous dire cela mais il est parti. Soit vous devriez vous asseoir, Derain ne reviendra pas. Si on peut pas violer en paix, ton jeu ne m'intéresse pas. Moi m'appelle, c'est mon... Un coup sec derrière la nuque. Voilà, donc nous, Moiramo, hein, le personnage que j'incarne, est un homme qui a perdu sa famille. Sa femme s'est fait éventrer et violer et son fils a été décapité. On lui a même coupé les mains après. On sait ce que c'est de perdre un enfant. Et on ne va pas cacher en fait la nouvelle. Je me verrais pas mentir alors que moi-même j'ai perdu un enfant. Et si on me l'avait caché, je l'aurais très très mal pris. Donc je vais lui dire, assieds-toi, Derain ne reviendra pas. Mon garçon est mort. C'est pas possible, que s'est-il passé? Alors, Derain défendait des prostituées contre des voyous, il était très courageux, vous pouvez en être fier. Pourquoi pas.
Il a croisé deux hommes dangereux près de la maison close. Ah ! Donc là, tout de suite, on balance le père. Il est parti. Est-ce que les détails rendraient les choses plus faciles ? Là, on commence à mytho. Wade l'a laissé seul. C'est de sa faute. Ah, carrément. Là, on pointe le père du doigt. Salaud ! Il a volé le poignard d'un homme. Vous devriez apprendre à vos enfants à ne pas jouer avec les armes. Comment on lui rentre dedans alors que son fils est mort ? Non, non, mais on va dire la vérité. Il était très courageux. Vous pouvez en être fiers. Elle pleure et porte rapidement une main à sa bouche. Ses yeux brillent avec des larmes. Oh Dieu, comment cela pourrait-il me soulager ? J'aurais jamais laissé mon fils mourir pour une de ces femmes. Et pourtant, je ne peux prier pour que les dieux soient plus cléments avec lui dans sa prochaine vie. Peut-être y a-t-il de l'espoir pour un de mes enfants. Après plusieurs secondes, elle ferme les yeux et déglutit. Je suppose qu'il est préférable de connaître la vérité que de rester dans l'expectative. Merci de m'apporter au moins des réponses. Tenez, prenez ça, j'ai mis de côté pour des reins, mais il n'en aura plus besoin à présent. Je doute que j'aurai un autre enfant à qui le passer. Oh putain, elle est sympa, elle me file un héritage. Un poignard. Et un anneau. Ah la meuf. Un anneau. Un anneau. Du coup, une forme calme et immobile est emmaillotée sous ses chiffons. Donc ça, c'est le gamin sans âme. Ok, Oda, j'espère que tu pleures parce que je vais te chourer tout ce que t'as dans ta maison, hein, je te le dis. Intérêt à avoir les yeux fermés. Regarde. On joue à 1, 2, 3 soleil, Oda. Hop, regarde-moi. Ça ne marche pas. C'est pas comme Divinity. On peut pas parler à un personnage pour qu'il se retourne et en même temps chourer tout ce qu'il y a derrière lui. Non. C'est dommage. Ça aussi, c'est du vol. Ah, on peut rien prendre, quoi. Allez, clodo, quoi. Bah, il faut être vraiment discret pour voler dans ce... Il dit la vérité, ok, mais il vole tout ce qu'il peut, bien vu. Bah non, j'ai rien volé. Chaptai, tu m'accuses sur seulement des présomptions. C'est il a dit, il vole tout ce qu'il peut. Là, tu pouvais pas voler. Oui, mais il a pas de preuve non plus, je vole. Pas vrai. Enfin, en tout cas, c'est pas vrai jusqu'à ce qu'il prouve le contraire. Et puis, si t'es là pour aller contre ce que je dis, Mojo, c'est vraiment pas la peine. Salopard. Il me fout la honte devant des milliers de personnes. Je sais. Ouais, bon, on est 11. Mais quand même. Tu sais que le bouche à oreille, ça va vite sur... Vous avez entendu parler de Zirtok, il a toujours un mec sur Discord qui se fout de sa gueule, c'est des grandes barres, venez voir. Ou alors ça fera de l'audience. Bon bah voilà, une quête de plus. Alors maintenant on doit aller rapporter le bâton qu'on a réussi à réunir. On a trouvé les trois parties du bâton sacré et on a acheté une opale à moitié prix à un marin qui avait été pris dans le naufrage d'un navire. Dans ce navire, c'était réveillé des espèces de fantômes. Il nous a dit, j'ai réussi à survivre, à échouer le navire pas loin. Vous allez dans le navire et vous prenez ce qu'il y a dans les cales, vous pourrez réussir à assembler le sceptre qui est une relique à valeur très bien, très beau. Donc on l'a fait. Oh shit, sa mère, incassable, incassable, cassé. Et donc maintenant, on a le sceptre et on va aller le montrer à une anime ancienne. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une anime ancienne ? Mojo, t'as pas envie de me dire quelque chose, là ? Qu'est-ce que c'est, une anime ancienne ? Ah, merci de poser la question. Alors, une anime ancienne. L'animancy, c'est une espèce de science slash magie d'étude des âmes, si j'ai bien compris. Elle utilise des reliques. Très anciennes pour contrôler leur pouvoir et réussir à sonder l'âme, jouer avec. Voilà. On va avoir plus d'explications là, puisqu'on va aller. Mélanger, les changer de corps, voir ce qui se passe. C'est ça. C'est un peu un équivalent de l'alchimie. En tout au niveau de la littérature, tout ça. Okay. Mais c'est où les animes anciens ? Alors. C'est dans le quartier des riches. Ah ! Allez, on va chez les riches. Chez Brackeberry. C'est ça. De Brack et après il t'enterre. Brack de Frack. Alors, papa. Donc là, on est dans le quartier des Gros Bourges. La maison de ML. Donc ça, c'est la pègre, hein, les deux ML.
Mais ils m'ont à la bonne, je pense. Puisque je leur ai permis de tuer un de leurs opposants. Je reste honnête, mais l'opposant avait essayé de me mettre une petite chenelle en loose day. Oui, je les ai laissés. Ah, disons qu'ils ne me détestent pas. S'ils me présentent, ils font « Ah, c'est toi !» Donc c'est dans le sanatorium. Ok. J'aime, c'est ça. Abuse. Je mets bien ma carte. Hop, rentrons. Ah, c'est assez petit. Hit save et on va voir si on peut pas chourer des trucs et avoir des infos. Non mais Chaptai, je déconne, hein, je vais pas voler. Par exemple là, un sanatorium, on peut très bien dire que c'est une bibliothèque. Et que du coup, on peut emprunter. Pas après, mais quand on aura retrouvé notre carte de bibliothèque. On peut essayer, voilà, avec la carte de piscine, avec la carte kiwi. Hop, voilà. Non, mais c'est pas du vol. Si c'était du vol, j'aurais l'icône de vol. Là, je peux le faire. Ouais, il y a plein de trucs. C'est de l'emprunt, tu vois. Je prends pour chez moi. Je trouve que ça devrait être possible de les prendre une fois que t'es devenu copain avec la statue. Ouais, mais heureusement, c'est pas toi qui dirige. Parce que autrement, je suis sûr que le sanatorium serait dans un sale état. Hein. On cherche. Comment elle s'appelle? Papa. Nance. Ah, mais c'est un mec, Nance. Non, c'est une femme, ça. Alors, on je passe. Je crois que c'est une Orlan. Ah, on a le son de la police, ah, mec. Désolé. Une vieille femme parcourt attentivement les étagères avec une rapidité et une énergie surprenantes pour son. Je suis désolé, mais je ne pratique plus. Je suis trop occupé avec mes recherches. Et que faites-vous ici? Voilà, on va essayer de voir déjà si elle est dans le camp du bien. Je suis Isanib Ancienne. À votre âge, j'étais prête à tous les voyages, aussi peu payés que dangereux proposés au hall d'expédition, avant de me tourner vers la recherche plus adaptée à mon rythme. Elle tapote un genou grinçant et rit. Puis-je faire quelque chose pour vous? Parle-moi d'ici. Fondé en 2729, c'est le centre d'animancie officiel de la bête du défi. Et pour éviter toute remarque impertinente, sachez que je n'étais pas encore là. Elle est en train de canner en même temps qu'elle discute. Il a été créé pour soigner les maux de l'esprit et de l'âme. Un endroit important pour une ville en pleine croissance, et sa construction a redonné un certain essor à l'animancie après les incidents de Bellreach. Incident de Bellreach ? Elle secoue la tête. Un terrible revers pour notre discipline. Un chercheur qui travaillait à l'extérieur du marais de Baël a brisé les âmes d'une douzaine de volontaires. Voix faiblie et se transforme en grognement. Bien sûr, nous ne saurons jamais exactement ce qui s'est passé, car la foule l'a mis en pièces. Cet incident est à l'origine du ralentissement de la recherche au cours des deux décennies et demie qui ont suivi. Mais il a aussi permis de concentrer les animanciens ici, à la baie du défi. Pour moi, c'est Tibat le qui m'envoie. Il a dit que vous seriez intéressé par les fragments de sceptre que nous avons trouvés. Cette vieille marchande de poissons a parlé de moi. Oh putain, c'est une nana, Imat, là. J'avais su, je l'aurais traité plus gentiment. Peut-être moyen... Oh, le sexisme. Mais non, mais non. Oh mais... là là. Parce que c'est une femme, il faut la traiter mais plus ça, gentiment. Mais ça n'a rien à voir. Voilà. J'ai mes raisons que la raison ignore. Je veux qu'Anna, ça fait un moment qu'il voyage seul. Elle rit et roule les yeux. Ne confiez jamais vos secrets à un homme dont la barbe est trop salée. Et quoi qu'il en soit, voyons voir ce que vous avez là. Nance examine le sceptre de ses yeux au contour particulièrement ridé. Imat l'a dit vrai, je suis prêt à vous l'acheter. Malheureusement, un sceptre cassé n'a pas autant de valeur que vous pourriez l'imaginer. Je vous le prends pour 500 boulas. Quoi? Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, on va prendre toutes les potions du monde. Mince, c'était quoi? Voilà.
Connaissance 4 ou perception 14. Ok, on est parti, on va se buffer pour la discussion. Alors, on va partir sur quoi? Mais j'ai 17 en connaissance avec Eder. Ah non, c'est constitution, mince. Ah oui, j'ai 1. J'ai 9 là. Elle, la vieille. Elle essaie de m'avoir là. Connaissance, ah non, perception 14, connaissance 4. Faut que j'y arrive. Perception 14, connaissance 4. Perception 14, per. 11, 12, 13, 9, 14. Kana, il a 14. Et elle aussi. Non, connaissance 9. C'est que moi, Rameau. Toi qui dois le Bon, faut que je gagne soit 3 de perception, 2 de connaissance, soit 2 de connaissance. Mais je pense que même avec mon le stuff là, ouais, avec le stuff. 2 d'intelligence. Ah non, on s'en fout. C'est quoi là? Ouais. Là, réflexe, bonus de guérison, déviation, constitution, ça je m'en fous. Perception plus 1 déjà. Hop. Ça j'en fous, ça. Robustesse, réflexe, ouais, volonté. Non. Ah, il a vraiment pas d'équipement d'endurance. Hein. Avant de faire ça. Intelligence plus 1. C'est pas de l'intelligence qu'il me faut, on est d'accord. Intelligence plus 1, détermination. Plus. Ah, j'ai peut-être pas réussi. T'es en ville, t'as plein d'auberges. La bonne auberge. Te file des gros bonus. Connaissance 4. Tu vois, je crois que. Ah non. Donne deux intelligences. Je suis obligé qu'il y en ait une qui te donne de la connaissance. Perception, il me manque deux. Non, mais regarde, je vais bouffer un petit truc. Ouais, c'est. Perception. Un jour fou. Ah non, ça c'est les composants. C'est ça la bouffe. Voilà. Réflexe plus 20, intelligence moins 4, ouais non. Ça c'est du mauvais shit. Dégâts, c'est bien la bière hein. Cure des dégâts, c'est pas dégueu en vrai. Éponge ridée, endurance max, défense, on s'en fout. Hydromel, un petit hydromel. Ticket said. Ça je m'en fous. Constitution plus 1 non plus. On cherche à se droguer hein. Test de déplacement plus 0,5. Ouais non. Ça c'est du scannant. On a notamment vidé un repère de dealer de scannant. Perception moins 2. Ah ouais non. Précision plus 15. Non. Perception plus 3. J'ai pas autre chose qui me donne de la perception. Endurance, constitution pour un petit poulet. Le poisson, peut-être. Intelligence. Ah, le poisson, ça rend intelligent. Bon, bah, on va faire ça. On boit la potion, parce que là, elle essaie de nous arnaquer, là. Elle nous fait... Non. On se calme. Se calme tout de suite, mais alors tout de suite, voilà. Vous semblez un peu trop excité, qu'est-ce que vous me cachez? Vous êtes plus rusé qu'Imat, là, je vois. À vrai dire... Ah non, mince, elle a passé de vous. À vrai dire, je pourrais réparer ce sceptre. Il est cassé, certes, mais ses fragments sont relativement en bon état. Le reconstituer est une question d'alchimie, et l'alchimie coûte cher. Je vais devoir tremper les extrémités cassées dans une formule sanguine afin de les relier, sans oublier le travail et patati et patata. Je pourrais le faire pour la somme de 1800 pans. Quoi? Putain, c'est la détermination si je veux qu'elle crache le pognon. Ou qu'elle me paye très cher. Mais c'est un sceptre. Est-ce que j'ai besoin d'un sceptre? Il est bien le sceptre d'Eder. De... Durance, pardon. Endurance, il a un bâton. Ah, pareil ? Non, les sceptres, c'est un genre de baguette. Ah, bah si, il me faut.
Allez, 1800 balles. Tiens. Voilà. Blablabla. Au bout d'un moment, qui vous semble une éternité, elle rejoint la grande salle et vous présente le sceptre. En le voyant, difficile d'imaginer dans quel état il était précédemment. Ah, cela sera peut-être ma plus belle œuvre, si je peux me permettre. Et merci de m'avoir donné cette chance. Examiner un tel objet est un rêve qui devient réalité pour quelqu'un comme moi. Prenez-en soin. Un multi-XP et un sceptre. Nice. Donc normalement, maintenant, j'ai une méga arme. Ouais. C'est de la merde. Le sceptre en Gwydion, non, il est cool. Il est cool. Il a accès en fait à... Ah, il évolue ? À l'enchantement, non. Non, c'est pas une arme qui évolue, mais il a l'accès à l'enchantement vitesse d'attaque plus 20%. Qui, quand tu le mets sur Alot, avec le talent qui fait que tu fais des AOE de dommages bruts sur chacune de tes auto-attaques à la baguette, eh ben c'est pété. Parce que Alot, il fait mal avec ses auto-attaques, du coup. Je vois. Mais je vois pas cet enchantement. Non, c'est pas un enchantement, c'est un talent que tu prends avec Alot. Tu regarderas ton prochain. Tu peux l'utiliser qu'avec ce sceptre-là ? Non, mais c'est qu'il n'y a que ce sceptre-là qui a cet enchantement et c'est pas un enchantement que tu peux mettre toi-même. Bon, je comprends pas encore, mais on verra. C'est-à-dire que c'est la seule arme de ce type qui a accès à ce bonus de vitesse d'attaque. T'as pas aucun autre sceptre du jeu sur lequel tu peux mettre vitesse d'attaque. Bien ça. D'ailleurs, on va refaire nos sorts vite fait sur Alot. Hein. C'est vraiment le stream de l'ennui là. On va enlever ça. Ça, j'en veux pas. Limite, bouclier spirituel, non. Le double, ça peut être pas mal. Hein. Ou le bâton. Ouais, mais non, le bâton, ça me fait taper au cac. La frappe de voile en lambeau, rapide frappe contendante qui inflige peu de dégâts mais peut générer. Mais peut gêner les jeteurs de sorts ennemis. D'accord. On va mettre un double. En deux, forme autour du jeteur de sorts un bouclier mystique qui lui confère des bonus de réduction des dégâts. Non. Par contre, on peut. Du fond corrosif. Dissout l'esprit de la cible en lui infligeant des dégâts corrosifs. Et en transformant cette essence en endurance pour le jeteur de sorts. Ah, c'est du vol de vie, ça. Ouais, c'est à petite portée, mais c'est justement quand tu te fais focus par un mec. Ouais, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Cher. Souvent, ils ont de l'armure, du coup, le corrosif, c'est pas mal. Hop. Et donc, toi. Explosion de cive. Mince, qui portait ça derrière. Et j'ai un bel anneau. Oh mon anneau! Oh mon anneau! Qu'est-ce qu'il portait cet anneau? Robustesse, réflexe, volonté. Super, non? Oh, c'est des défenses. Non. Hop! Oh, ça y est, j'ai ma nouvelle arme. Ça, c'est très bien. Maintenant, j'aimerais bien trouver aussi un arc pété. Pour mon petit Moiramo. L'arc de Sagani. Ah, c'est l'arc de Sagani que tu utilises ? Non, mais je demande. Hein. Ouais, tu pourrais l'utiliser. Je sais pas du tout c'est quoi. Moi, j'utilise un arc de guerre sur ma. Sur la mienne, il est pas mal. Alors, la statue parfaite d'un homme d'âge mûr trône dans la pièce et surveille impassible les allées et venues d'une foule d'universitaires harcelés par des êtres désespérés. Une douce chaleur s'en dégage et se diffuse dans toute la pièce. Cette statue abrite une âme humaine, vous sentez qu'elle vous observe. Voilà un certain temps qu'un gardien n'a pas honoré ces lieux de sa présence. Sa voix résonne bruyamment sous vos pieds. J'envie votre perspicacité naturelle, voyageur. Une telle qualité m'aurait été précieuse dans ma vie. C'est le père Fouras. Ouais, c'est ce que je me disais. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous amène dans mon sanatorium ? C'est vous l'animancien qui avait acheté des reliques à Imatl ? Mais non, mais... Ah ouais, je dénonce la vieille, elle m'a fait payer trop cher. Il existe un important et célèbre marché noir pour les reliques Ngwytan. Je ne m'en approche pas. Ah d'accord, il s'en fout.
En fait, tu peux le demander à beaucoup de gens autour de... D'accord. Quand tu la trouves. Comment avez-vous acquis votre forme actuelle ? Ma forme de statue, vous voulez dire ? Eh bien, j'étais vieux. Cette réponse. Après une vie de découverte, je trouvais dommage de finir par mourir. Je rêvais de me réveiller dans un autre corps et de mener une nouvelle vie. Toute cette expérience gâchée, il nous faut découvrir les principes mêmes de notre existence. Cela se fera en dépit de notre condition, j'en suis certain. Continuer à vivre dans quelque chose que j'avais aidé à bâtir me semblait mieux que ce que la nature avait à m'offrir. Le transfert à proprement parler s'est avéré plutôt simple grâce à notre... Et sur ce point, je suis reconnaissant. Jouer avec les âmes est bien plus facile lorsqu'il ne s'agit pas de la sienne. Je regrette de ne pas pouvoir jouer un rôle actif dans les efforts d'érudition déployés ici. De temps à autre, un de nos animes anciens me fait plaisir et me consulte sur un problème, mais ils sont de nature jalouse et n'aiment guère collaborer. Si vous l'envisagez, sachez que c'est un travail qui demande une patience sans faille. Ok. Ouais, si, allez, on va lui poser la question du sanatorium. Vous voulez une leçon d'histoire ? Oh non. C'est un rare plaisir. La plupart des gens qui viennent... Bon, on va reprendre une voix normale parce qu'il va beaucoup parler, je pense. La plupart des gens qui viennent ici s'intéressent d'une manière ou d'une autre à la mort et comment y échapper. Notre institution est très ancienne à Dyerwood. Elle a 94 ans. Comme bon nombre de villes, le développement de la baie du défi n'est pas sans poser certains problèmes. Le pire d'entre eux concerne ces êtres aux âmes malades qui peuplent les rues. Et c'est là que le sanatorium prend toute son importance. Brackenbury s'est avéré être un choix naturel. Le quartier se développait, il y avait beaucoup de pognon. Cet endroit doit sa survie à la curiosité des plus riches, si vous voulez mon avis. Notre fondation a eu lieu à un moment de grande suspicion envers l'animancie. Comme aujourd'hui, tant de progrès ont été perdus en raison des mésaventures de quelques praticiens négligents. Au fil du temps, tout cela est tombé dans l'oubli. Depuis, nous occupons le premier rang du renouveau de l'animancie. L'animancie 2.0. Nous avons accueilli de nombreux et talentueux chercheurs et repoussé les frontières de nos connaissances comme jamais nous ne l'aurions imaginé. Tremendous. Quelques-uns des premiers transferts ont eu lieu ici et nous avons œuvré à la purification des âmes, à l'analyse des lignées, à la préservation. La liste est longue et je vous prie de pardonner ma fierté. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment pareil. Nous avons subi des pressions pour nous faire taire de la part des habitants plus nerveux du Dyerwood, dont l'esprit est plus passionné que réfléchi, je le crains. Les gens voient cet héritage et voient qu'il implique quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Dans un tel contexte, il est normal qu'ils soupçonnent ceux dont la compréhension dépasse la leur. Ils ont l'impression que nous leur cachons quelque chose. Alors même que nous parlons, un de nos représentants défend au palais la science de l'animancie à l'audience du duc. Aussi absurde que cela puisse paraître. Si les choses tournent mal, cela pourrait marquer la fin de l'animancie à Dyerwood. J'ai peur qu'Aevar ne s'égare face à toute cette agitation. Même si elle est irrationnelle, nous verrons bien. Ah, il me donne pas de quête. Yeah. Salaud. Donc là où ça devient intéressant, c'est de parler avec les gens. Surtout en bas. On va voir en bas, c'est la bonne ambiance. C'est un peu comme le caveau à Nantes. Il y a plusieurs étages avec vraiment des ambiances différentes. Hein. Donc en haut, c'était bien. En haut, c'est vraiment très sympa. Hein, y a des bouquins et des plantes. Et puis là, on arrive vers le bas. Bonjour. L'anime ancien griffonne fébrilement sur un parchemin, comptant des objets invisibles de son autre main. Ses lèvres bougent en silence. Alors que votre ombre gagne son parchemin, il lève les yeux pour vous regarder d'un air perplexe et agacé. « Mais puis-je faire quelque chose pour vous ?» se fend d'un sourire forcé. « Ah non, mince. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ?» « Sur quoi tu bosses ?»« Je travaille sur les Wisht, et plus particulièrement sur la manière de les soigner. »« Et qu'est-ce que c'est qu'un Wisht ?» Alors un Wisht... Eh oui, Jamy. Un Wisht, on en a déjà croisé et on les a déjà butés. C'est un monstre. Et c'est un sans-âme qui a reçu l'âme d'un animal lors de sa petite enfance. Une des premières tentatives de l'animancie afin de remédier à l'héritage, mais bien sûr infructueuse. Au cours de leur enfance, ils présentent des troubles du comportement et à l'adolescence, ils deviennent carrément agressifs, sauvages.
mais n'en reste pas moins de pauvres victimes dont il faut prendre soin. Mais transplanter des âmes d'animaux chez des enfants, c'est vraiment une drôle d'idée. Nous, les animaux anciens, on essaie juste de faire quelque chose pour remédier à la situation, plutôt que d'abandonner ces enfants à leur triste sort. Et malgré la controverse, c'est allé aussi loin parce que, dans un premier temps, cela semblait fonctionner. Les gens appelaient cela le salut. Des enfants qui n'avaient jamais montré la moindre réaction à toutes sortes de stimuli semblaient tout à coup conscients de ce qui les entourait, de leur famille. Les complications n'apparaissent qu'à la puberté. C'est à ce moment-là que les incompatibilités entre le corps et l'esprit se manifestent. Les enfants deviennent violents, féroces. Regarde des films porno. Dégueulasse. Les gens ont fini par l'appeler le salut cruel et continuent de nous haïr pour cela. Nous voulions juste mettre fin à l'héritage comme tout le monde. Serge de Sergi rêve d'un forfait à prix serré. Et de oh putain, Serge de Sergi. Pourquoi étudier les witches? Qu'est-ce que c'est que cette question? Dites-vous juste que les souffrances de toutes ces familles pourraient être soulagées et que des vies pourraient être sauvées. Qu'y a-t-il de plus important? Oh, c'est noble. L'animancie a un rôle à jouer ici, je le sais, il faut juste y travailler. Très bien. Bon, bah voilà, je passais juste, hein. Eh, cassez-vous. T'as pas des trucs cachés chez toi? Pour le plaisir. Et voilà. Oh! Dans un coin du laboratoire de Modred se trouve une imposante malle patinée. Elle semble renfermer quelque chose d'important, notamment en raison de sa taille. On va l'examiner, on va l'ouvrir. Bon, on l'ouvre, hein. Ah. Un gros cadenas ferme la malle. Il est trop solide pour être forcé, les mécanismes trop compliqués pour être projetés. Vous allez devoir trouver la clé. Bon, bah... Hein bah on va pas la toucher si on n'a pas la clé, hein, du coup. Donc, on va essayer de faire un truc. J'ai jamais essayé pour l'instant. Oh putain, on peut! Il a même pas la clé, ce con! Mais je sais pas si ça va me retomber dessus ou pas, ça, en fait. Ouais. Faut que je trouve la clé. Ouais. Oui, mais moi, quand c'est fermé, j'ai envie d'ouvrir. C'est ça, le truc. Non, mais c'était pour voir, parce que, voilà. J'ai utilisé une technique. Donc, mon personnage, hein, grâce à ses extrêmes pouvoirs, peut briser le quatrième mur. Et revenir dans le temps à un moment où j'ai appuyé sur F6. Oui, je l'ai examiné. Voilà, c'est là que je l'ai examiné. Ça change rien, hein. Je savais qu'il voulait pas. Putain, je meurs de chaud ce soir. Il fait chaud chez vous aussi, là. Salut. Belle Sage. Salut, Bella. Une femme fait les 100 pas sur un moelleux tapis rouge. Elle gesticule et se parle à elle-même, secouant la tête comme si elle était plongée dans des notes. Et qu'aussi, je suis ici, si absorbé par mes recherches que je ne vois même pas la personne qui est devant moi. Que puis-je pour vous? Elle est serviable. Hein. Elle est serviable. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? D'après ma bourse de recherche, j'étudie les éveils. Sublimer les âmes pré-éveillées est une des grandes réussites de l'animancie et je travaille sur une méthode permettant de dupliquer le processus sur les âmes éveillées. Cela étant, je ne trouve ici que très peu de sujets adaptés. L'héritage de Veidven est à l'origine de nombreuses âmes éveillées, mais la plupart sont trop abîmées pour être étudiées. Je crains de devoir retourner à Reveux sans rien à présenter. Je suis éveillé, ma vie passée me revient par bribes. Très intéressant, mais ce n'est pas le genre d'éveil que je peux étudier, je le crains. J'ai besoin de quelqu'un dont l'âme éveillée peut être déclenchée moyennant un stimuli prévisible. Ces âmes ont tendance à se manifester sous forme de personnages distincts chez ceux qu'elles habitent. Mais je vous remercie. Bref. Peut-être que le mystère est plus grand que ça. Ouais, mais tu vois, ça m'étonne que le mystère résiste à un coup de hache. C'est beau, les mystères, quand même. C'est impressionnant, hein. Bah si, c'est de la torture, ça.
Bonjour. Mec, il y a deux gardes autour d'une porte. Bonjour. Ah, mais tu m'énerves avec ce coffre parce que du coup j'ai envie de. Une imposante mâle, elle semble renfermer quelque chose d'important, notamment en raison de sa taille. Examinez, rien n'attire votre attention si ce n'est le gros cadenas situé sur sa partie avant. Et voilà un coup de hache. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre le voit. Ouvrez la malle. Non, ne touche pas la malle. Déjà, il y a des crânes dessus, ça pue. Non, mais c'est. Voilà, c'est un. Des animaux crevés, sûrement. Et elle, elle dit des trucs qui devraient me revenir. Mais pourquoi. L'héritage de Weidven est à l'origine de nombreuses âmes éveillées. Je crains de voir retourner à Rivera, voilà. Ah, tu me fais tourner en bourrique. Je tourne en rond. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs. Là, je peux ouvrir. Ouais, non, bonne clé. Oh shit, sa mère. Bon, bah, on reviendra plus tard. Hein. Merci pour la visite. Mais on sent qu'il y a un truc en bas. Il y a une malle que je peux pas crocheter. Il y a deux pièces qui nécessitent des clés. Va falloir tuer des gens très très haut placés. Par exemple, la Vioc. Ah, voilà! Mais je peux pas, Chaptaï! J'essaye! Ah, y'a pas de porte là. Ils me verront peut-être si je le fais. Save. Ah, bonjour! Baf! Personne m'a vu. Personne m'a vu. Ah, tu vas peut-être me rendre mes 1800 balles? Quoi? Deux? Elle essaie de m'arnaquer là. Elle m'a fait payer 1800 balles pour restaurer le truc. Allez, 800 balles pour acheter, on va dire, les composants pour réparer le matos. Il reste 1000 balles, pas 6. Oh, putain, elle a même pas la clé. Je vais tuer tout le monde jusqu'à trouver une clé. Et ensuite, je rechargerai ma sauvegarde. Lui, il a l'air. Voilà. On s'en fout de lui. Un immense, Verna. Noble, là il y a un noble. Oh, les nobles, ils ont toujours des trucs. You're mine. Gros bourrin. Genre, tu connais combien ça coûte? Bah, je te rappelle que je suis un gardien. Il a pas assez frappé fort. Hein. Ouais, c'est ça, si je frappe plus fort, au bout d'un moment, une clé arrive dans sa poche. Ou plutôt, je déchire son pantalon. Et du coup, la clé tombe. Ici. Y'a Audemer. Salut Audemer. Oh, le vieux nom Audemer, quoi. Vous êtes là pour la démonstration? J'aimerais en savoir plus sur le sanatorium. Je suis ici dans le cadre de ma mission, le traitement des perturbés. Personne d'autre ne semble s'en soucier ici. Il faut des merveilles pour eux. J'ai vu des gens guérir alors qu'ils souffraient de faim insatiable et de pulsions incontrôlables. J'ai vu des infirmes marcher et des dysphoriques sourire ici entre ces murs. À l'idée que sur ordre du duc, tout cela pourrait s'arrêter, je ne dors plus. Oui, mais du coup, D'accord. En fait, lui, il a un nom. Hein, donc, il aura une importance dans une quête. Mais pour l'instant, on s'en fout. Assez dommage. C'est décevant. Je pensais qu'il se passerait plus de choses au sanatorium. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. On va faire deux trucs. On va rentrer... Ah ah! Nedine Morano. À l'ombre du jardin, une femme se parle à elle-même. Oui, c'est Nedine. Elle fixe les pages d'un gros ouvrage particulièrement usé sans visiblement prêter attention au délicat parfum des fleurs qui l'entourent. Elle finit par lever les yeux lorsque votre ombre traverse sa page. Qu'y a-t-il? Je suis occupé. Qu'est-ce qui vous occupe tant? Qu'est-ce que tu dis, Kurobeta? Je crois que t'as ignoré quelques trucs avant. J'ai parlé aux gens à l'intérieur du bâtiment. J'ai pas ignoré des trucs. Je lis tout dans le jeu. J'étudie l'attachement des âmes. Nous savons tous que les âmes rejoignent les êtres lorsqu'ils naissent et les quittent lorsqu'ils meurent. Mais nous continuons de nous interroger sur la manière dont elles s'y fixent. Que voulez-vous dire par la manière dont elles s'y fixent? Les âmes alimentent les corps et donnent vie à leurs tissus, mais seulement lorsqu'elles sont bien attachées. Leur séparation provoque les différents maux liés à l'âme, notamment au sans-âme. Mais en réussissant à comprendre la manière de
réattacher les âmes, nous pourrions mettre fin à l'héritage de Veidven. Et peut-être même... Et ça, c'est le cadeau bonus. Vaincre la mort. En théorie, du moins, malheureusement, je n'ai pas tous les éléments dont j'ai besoin pour la mettre en pratique. De quoi as-tu besoin? Il existe un manuscrit sur les théorèmes de Pangram. Il contient les expériences de Pangram sur les âmes détachées. À ce qu'on dit, le hall des mystères révélés en renfermera un exemplaire dans les archives séculaires. L'œuvre de Pangram est considérée comme l'une des plus audacieuses en matière d'animancie. Elle n'est guère connue des novices. Pas facile de se procurer ses écrits, mais je me demande si on pourrait pas y jeter juste un coup d'œil. Ces théorèmes pourraient faire considérablement avancer mes recherches, mais Grimda, la haute archiviste, vénère Wael, qui explique ses points de vue paradoxaux en matière de partage et de restriction des connaissances. Et n'étant pas une adepte de l'animancie, elle a tendance à ne pas me laisser accéder aux informations qui me seraient utiles. Eh ben, peut-être que je peux la persuader. Vous pouvez essayer, mais d'autres l'ont fait avant vous. Bon, je devrais sûrement me remettre au travail, oui. Allez, rejoignez le hall des mystères révélés à Copper Lane. C'est parti. Donc, tu veux pas me spoil? Bah, très bien. Tu fais bien. Tu fais bien. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais certains de tes compagnons te donneront même pas leur quête si tu leur parles pas de toi-même à un moment ou un autre. On peut leur parler de nous-mêmes? Je sais pas. Moi, je voyais quand ils voulaient me parler. Mais je savais pas qu'ils voulaient me parler d'eux-mêmes. Mais d'ailleurs, Shaptai, c'est pas toi qui voulais jouer à Pillars aussi? On discute. Oh putain. Oh! Vas-y, on parlera plus tard. Ah oui, Divinity, c'est vrai. Allez, elle est loquace, la dame. Hein, on va où là? On va où? Un appel à la cour, non. Les théorèmes de Pangram, oui. Le hall des mystères révélés. C'est vrai. Ah, c'est là. Le dernier endroit, bien sûr. Après, ça pourrait me brancher, Pillars, mais je suis encore plus bourrin, moi. Bah oui, bah là, c'est ma perso, ma partie tranquille. Avant, je jouais un nain, Galtor. Qui n'aimait pas parler. Hein. Galtor avait eu un accident de chasse très jeune et s'était fait écorcher la langue. Ce qui a entraîné chez lui une espèce de timidité. Hein. Il a développé un tic de parole. C'est-à-dire que dès qu'il disait quelque chose, ça sonnait comme une insulte. Donc petit à petit, les gens se sont mis à lui cracher dessus, à rire de lui, à lui jeter des cailloux. Parfois, à lui faire des croche-pattes. Galtor, ne voulant pas rester dans cette situation, a choisi de se mettre à la muscu. Avec la musique, je trouve ça trop bien. Il s'est mis à la muscu. Il s'est mis à faire des pompes, des abdos. Il poussait à la salle, il poussait à la salle. Il est devenu hyper mastoc, le plus mastoc de tous les nains, tu vois. Et il est revenu voir les gens qui se foutaient de sa gueule quand il était gamin. Il les a regardés. Il a ouvert la bouche, mais il n'a rien dit. Il a juste craché sur leur gueule et leur a mis un coup de hache dans la tête. Et ça explique pourquoi est-ce que tous mes problèmes se résolvaient à coup de hache. C'est une espèce de vengeance sur ce monde. À la base, tout le monde se foutait de ma gueule. Et puis après, voilà. Plus personne n'avait rien à dire. C'était une belle histoire, non? Qu'est-ce qu'elle a dit? Allez, montrez un peu d'émotion. Vous ne pouvez pas... Ouais, bon, on s'en fout. Bonjour. Est-ce que vous avez les derniers Astérix et Obélix, s'il vous plaît? Ah non, non, c'est du vol. Alors, fais que ça. Fais que ça veut me parler. Fouiller, mais parler à voix basse, c'est toujours un temple après tout, et Grimda ne tolère pas le désordre. On dirait plus une bibliothèque. C'est précisément le cas, mais elle est le dieu des mystères et des réponses, du cryptage et du décryptage, de la dissimulation et de la révélation. Ses conseils nous viennent de la compréhension de l'inconnu et de la protection du savoir caché. Le hall des mystères révélé a été construit à cet effet. Très bien.
Dire qu'un tel endroit existe dans le Direwood, incroyable, j'adorerais avoir accès aux archives. Combien de secrets doivent dormir sur ces étagères? Fascinant. Très bien. Oui, parce que Kana, bien sûr, est un adepte de la connaissance. Faut pas oublier sa hache. Ah oui, non, mais c'était mon compagnon de route. Ma petite copine. Et du coup, ouais, beaucoup de mes problèmes se résolvaient super simplement. Je partais du principe que dès que quelqu'un me parlait mal, peu importe ses raisons, fallait qu'il en prenne une. Et du coup, bah en fait, je me rends compte que les dialogues, ça sert pas à grand chose. L'histoire, elle avance juste en mettant des tartes, tu vois. Parce que des gens qui se foutent de ta gueule, par contre, il y en a un paquet. Hein. Tu sais, ils t'agressent, ils disent « Ouais, casse-toi » et tout. Tu le regardes, tu... T'es sûr, hein? Enfin, plutôt avec le tic de langage, t'es sûr, connard? Et voilà. Il maniait ses livres avec soin. Et ça partait, ça montait vite en pression, quoi. Une naine âgée inspecte les piles. Sa peau semble aussi dure et ridée qu'une noix. Malgré sa stature, elle parvient à vous ajuster du regard. Vous êtes libre de jeter un œil dans les environs, mais laissez les prêtres et les scribes poursuivre leurs recherches. Elle lance à la plus proche silhouette en robe à regard plein de mépris. Je ne voudrais pas leur donner d'autres excuses. Serge de Sergi rêve d'un forfait à prix serré. Serge de Sergi, je te jure, je vais le buter. Non, Chab, pas de coop. Pas de coop dessus, full solo. On lui rentre dans le tas ou pas? C'est une naine, elle est à la tête du temple de la baie du défi. Elle va, voilà, on va pas l'impressionner, hein. C'est pas parce qu'on a un arc. Parle-moi de toi. Ah, on la drague. Vous habitez encore chez vos parents? Je suis la haute archiviste du hall des mystères révélés. Je suis trop vieille et trop occupée pour m'encombrer de questions ineptes. Même pas une ou deux. De quoi d'autre avez-vous besoin? T'aurais pas un ticket resto un euro, allez, 1 euro, ça va. Salut, est-ce que t'as 2 minutes pour parler de la Croix-Rouge? D'ailleurs, aujourd'hui, c'était Médecin du Monde qui m'a abordé. Avec, ah, c'est bien, toi aussi t'aimes le bleu. Elle avait un t-shirt bleu. Un anime ancien du nom de Neddy. Moi aussi j'ai un t-shirt bleu. Ah, mais toi aussi t'aimes le bleu? Eh, mmh, tu savais, ouais. Je vais te poser une question comme ça au hasard. À ton avis, c'est quoi le minimum à donner pour une association genre Médecins Sans Frontières? Médecins du Monde. Combien? 5 euros. 5 euros? Bah, comme les APL. Mais... Mais t'as tout à fait raison. Et est-ce que tu penses que toi, tu serais en mesure de donner 5 euros? Ouais, je crois que moi j'en donne 7 à la recherche contre le sida. Ouais, mais la recherche contre le sida, c'est toujours bien. C'est vraiment une cause géniale pour laquelle tu luttes. Mais les médecins du monde, eux, ne sont pas des chercheurs. Ils sont confrontés, en fait, au malheur tous les jours. Ils voient des gamins qui n'ont pas de jambes, pas de bras, pas de cerveau. Ils doivent les soigner. Je pense que tu serais pas capable de donner un peu d'argent pour eux, pour les aider. Parce qu'eux, en plus, ils font ça bénévolement. Hein. Donc, non. Après, c'est juste 5 euros, par exemple. Voilà. Est-ce que t'es sorti ce mois-ci? Est-ce que t'as pris des bières avec des potes? Bah, je suppose, t'es étudiant, t'es jeune, t'es beau gosse plutôt. Donc, voilà. Voilà. Si tu te prends une pinte de moins, t'aides un enfant sans bras et sans jambes. Une pinte. Qu'est-ce que c'est, une pinte, dans ta vie? C'est vrai, il vaut mieux rester chez toi et acheter un petit pack de bière avec tes potes sur le canapé où vous faites des jeux vidéo, vous discutez, c'est sympa, c'est convivial, plutôt que d'aller dans un bar et dépenser 5 euros dans une pinte. C'est pas non plus un geste de fou que je te demande. Est-ce que tu penses que t'es capable de le faire? Ta gueule! Laisse-moi être radin, merde! Combien t'as donné? Ben, j'ai rien donné, Chab, j'ai rien donné. À chaque fois, moi, je me prends la tête avec eux. Bon, un anime ancien du nom de Nedine m'a demandé de récupérer les théorèmes de Pangam. Ah, bah, t'as perdu un viewer. Voilà. Ah ouais. Okay. Ah, tu l'as dénoncé, la meuf? Mais je pensais que moi, c'était être honnête.
Bah oui, t'as été honnête. Oui, mais non. T'as dit qu'elle voulait avoir accès à un... C'était pas ce que je voulais faire. Bah t'avais dit qu'elle, elle voulait pas que... qu'elle y ait accès. Du coup, si tu lui dis, forcément... Ça casse un peu le délire de ce que la meuf t'a demandé. Mais oui, mais... c'est une manière de résoudre la question. Moi, je voulais dire, écoutez, on m'a envoyé pour consulter ça. Elle allait me dire, t'as pas le droit. J'allais lui dire, au nom de quoi, tu me dis que j'ai pas le droit. On est... Tu sais, j'ai Kana, voilà. On est là pour la connaissance, nous aussi. On a le droit de consulter ce qu'on veut, tu vois. Mmh. Je voulais essayer de lui faire entendre raison, mais d'être honnête sur mes motivations, quoi. Ouais, ouais. Je pensais pas que ça allait être... voilà, faut la bannir. Pas du tout. T'es pas forcément obligé de lui faire entendre raison, ce qu'elle ne sait pas. Ouais, je vais la buter, ouais. Faut pas lui faire de mal. Ouais, je pensais pas forcément à ça. T'avais pas dit que tu faisais un mec un si, peu... Si, 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 mais non, je vais pas la tuer. Un peu tapinant. Vous habitez encore chez vos parents, vous aussi? Oui. Ok. Donc c'est bon, on a repris la quête, on refile vite fait. On fait une assaut pour les ivres. Salut, salut, est-ce que t'as 2 minutes pour donner de l'assaut? Qu'est-ce que c'est que 5 euros? Tu pourrais payer une bière, hein, Clodo? Ça pourrait marcher, hein. Les... Qu'est-ce que c'est que 5 euros? Ça paye une bière pour un Clodo? Ouais! Qui ne chante pas n'est pas Macron! Macron! Putain. C'est là. Allez, courez les abrutis! Chab, en tout cas, sache que tous les subs qui sont faits sur cette chaîne, tous les dons, hein, sont reversés à l'association des SDF qui vend des journaux avec pas d'informations dedans. Je suis hyper salaud. Moi, j'ai un SDF. Ouais, et ben, il s'appelle Bernard. Très gentil. Et on lui a offert des chaussures à Noël. Alors j'ai le droit de les critiquer maintenant. Ça m'a donné l'immunité. Ok. Ouais, donc on va pas parler à la vieille, on va voler. Qu'est-ce que c'est-il qu'il me faut déjà? Le nom du bouquin, c'est Pangram. Ça a pas l'air d'être là. Exactement. C'est exactement ça. Pangram. Non. On va aller là. Mmh. Ah merde, tu as vu là? Par qui? Qui c'est qui me voit? Ah, c'est lui. D'accord. Ouf. Oui, bon, il y a beaucoup de textes. Le dernier journal de Jonah. Mais il y a beaucoup de textes, mais ça se trouve, ça part sur des quêtes en plus. Putain, mais c'est là, faut que j'aille là. Oui, je lui crache dessus, mais quand je passe devant lui, mais j'ai donné, donc j'ai droit. On va regarder ce qu'il y a là quand même. Ce se trouve, on est passé devant comme des. Negrimda, tu lui as parlé de tout Non, je lui ai pas parlé. Je veux plus lui parler. Elle a l'air stressée quand même quand tu vas lui parler. Non, mais c'est une naine. Oui, bon, elle est un peu. Un peu revêche, mais elle a aussi l'air stressée. C'est raciste ce que j'ai dit ou pas, du coup, si c'est en fantasy? Ouais, j'imagine, oui. T'es un raciste fantaisiste. Ouais, mais c'est du RP. On va faire une Slim Shady. Oui, je tiens des propos homophobes, mais c'est mon personnage. Bon, alors apparemment, il faudrait que je retourne parler à la naine. Tiens, on va faire une save avant. Voilà. Voilà comment on va procéder. On save. On la tape. Voilà, elle est morte. La solution à tout. Maintenant, je reload. Mais ça défoule, ça fait du bien. Ah, t'as vu ta montre. Hop. N'empêche qu'elle était pas mauvaise. Elle est pas morte aussi vite que la vieille
dans le sanatorium. Alors. Elle, c'est une traître, c'est quand même un vrai perso, les animanciers. Hein. Elle vous toise en se caressant le menton. Je pourrais vous faire confiance pour le ramener, je suppose. Vous ne pourriez pas faire pire que tout cela, de toute façon. Les voleurs sont partis avec un ancien parchemin de Vael. Ils ont l'intention de blasphémer en le vendant alors qu'il aurait dû rester caché un secret des sans-vision. Les gardes en ont capturé un, mais ils ont été un peu zélés au cours de leur interrogatoire. Tout ce qu'ils ont pu apprendre concernait une ferme et la route vers Dyerfold. Nice! Retrouvez d'abord la trace des voleurs, peu importe ce que vous faites avec eux, mais ramenez-moi le parchemin. Vael récompense le chercheur obstiné, et j'en fais de même. Un parchemin ancien de Vael? Oh là là, la belle récompense! Ouais, 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 ouais! Ouais, 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 ouais! Dites-moi ce que vous savez à propos des voleurs. Très peu à l'exception qu'ils étaient idiots de croire qu'ils pourraient voler le dieu des secrets et qu'ils fuyaient vers une ferme. Comment dois-je les traiter? Selon votre gré, tuez-les, volez-les, laissez-les, cela ne fait aucune différence pour moi. Je le considérerais comme un des mystères de Vael. Ah ouais, d'accord, on tend le... D'accord. Qu'est-ce que ce parchemin a de si spécial? Vael est le dieu des secrets, si je vous disais cela, je ne lui ferais pas justice, n'est-ce pas? C'est d'une parabole. Le genre qui nourrit un esprit inquisiteur et empoisonne les imbéciles. Très bien. Allez, bah on va chercher l'écrit. Remarque, est-ce que... Là, il y a moyen de faire une vraie arnaque moldave. Est-ce que vous pensez qu'elle a lu le parchemin? Parce que on prend un vieux parchemin, on écrit quelque chose dessus, on lui donne et on lui dit c'est un secret, faut pas que tu le lises toi non plus du coup. Il y a peut-être moyen d'arnaquer un truc là. Allez, tiens, mamie! Ça, c'est une carte d'anniversaire où quand tu l'ouvres, il y a de la musique et tout. Non, c'est le parchemin de Vael, oui, oui. Ah oui, je l'ai récupéré. Hein. Par contre, apparemment, c'est très très secret ce qu'il y a dedans. Et la légende dit que si tu la lis, tu te fais tuer dans les 12 heures. Donc. Le secret, elle a le droit de le connaître, pas de le donner. Je trouve qu'elle s'octroie beaucoup de droits quand même. Donc on va vers le village d'Ireford aux gorges de Samwall. Ah, mais c'est là où j'ai pris la pété. Tout le monde s'octroie le droit de connaître un secret. Je vends pas cher et voilà. Donc là, il y a les druides hyper vénères. Et là, il y a une biche. On va plutôt aller vers la biche. Nous, on est côté biche. Ah, ça, c'est même une chèvrette. Mais est-ce que c'est parce que c'est la volonté de son dieu ou est-ce que c'est la sienne propre? C'est difficile à dire. Apparemment, elle peut courber... Quoi? Elle peut courber la volonté de son dieu. Puisque si je bute quelqu'un, elle dira « Oui, non, mais on le cherchera pas, on va dire que c'est un secret du dieu. » Donc, arnaque moldave, quoi. Oh là, c'est quoi ça? Quelques motifs simples ont été gravés dans la pierre. Une petite empreinte marque le centre, entouré d'un plus grand cercle. Au-dessus des deux cercles, vous remarquez ce qui ressemble à des écritures. Ah, mais je suis déjà rentré, là! Dans une partie, il y a longtemps. Regardez l'empreinte circulaire. L'empreinte est superficielle et lisse. Elle semble avoir été créée pour accueillir quelque chose de précis. Attendez un moment. Vous attendez quelques heures et observez le soleil se déplacer dans le ciel. Attendez encore. Il a l'air malin, ce Zirtok. Ah, faudrait peut-être que je regarde ça, remarque. Ah, voilà. Elle est lisse, elle semble avoir été créée... Ah. Cercle extérieur. Plusieurs motifs ont été sculptés le long du cercle extérieur. Bien qu'il soit à peine visible ou distingué, un croissant au-dessus du centre. Ah ouais, si j'attends. Ok, ça change rien. Examinez ce qui est écrit. Les caractères vous sont totalement étrangers et ressemblent à une langue tombée dans l'oubli depuis des lustres. Et si j'attends? Et si je réattends? Ouais, bon, ça change rien. Vous devriez renforcer la sécurité. Je fais ce que je veux. j'ai une construction. J'ai 1000 boules seulement. Oh là 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 là
Je suis un clodo de l'espace. Clodo de l'espace. Un clodo de l'espace. Je suis un clodo de l'espace. Placement découvert. Allez, de l'XP. C'est bien. Oh la cachette! Putain, je me mets à genoux au bon moment. 126 boulas. Je prends. On va faire une save, hein. On vient de trouver des thunes. C'est important pour bien grandir. Sur la map, je suis où là? Ah, ok, je suis en plein milieu en fait. Clodo de l'espace. Est-ce qu'il va m'attaquer ou pas? Il a pas l'air. Oh, c'est le druide. Non, mastiquant, un morceau de viande crue et un petit orlan vêtu de loques en cuir marmonne un bonjour et fait un signe de la main. Son joli sourire ne parvient pas à masquer le piteux état dans lequel se trouve le côté droit de son visage. Il porte sur l'œil un bandeau sur lequel est brodé un globe oculaire. Une de ses oreilles est en lambeaux et l'autre se redresse à votre approche. Près de lui se trouve la carcasse écartelée d'un cerf, vraisemblablement victime d'un ours ou d'un loup. Il s'agit de votre cerf. Il vous faut un nouveau gardien pour votre gibier. Il sourit, des morceaux de tendons pendent de ses lèvres maculées de sang. Il cligne de son œil unique et vous dit « Je m'appelle Iravias. Vous avez faim? Je ne réussirai pas à tout finir. » Première prise de la journée. Alors. Ah ah! Je vais lui mettre un coup de pression. Dans ce cas, vous allez devoir trouver le Stelger qui a tué ce cerf. Je n'ai fait que trouver cette dépouille à ce que je... Pardon. Je n'ai fait que trouver cette dépouille. À ce que je sache, il n'y a rien de mal à servir sur la dépouille d'un animal. Calawen a choisi une bonne fin pour ce bel animal. Pardonnez-moi, ce n'est pas bien de prier la bouche pleine. Qu'est-ce qui vous amène ici? En dehors de ce délicieux cerf, de nouveaux arbres à décrire, de nouveaux animaux à dessiner, de nouvelles choses à voir. J'ai appris des tas de choses auprès des druides de mon cercle. Je préfère errer et apprendre plutôt que de prendre racine et stagner. C'est bien. Alors si vous allez à Deerwood et avez besoin d'un coup de main, je serai ravi de me joindre à vous. Continuez. Je suis entraîné par les membres du cercle du faucon et du lierre de la tribu de la grue pêcheuse. Je connais un rayon sur la magie de la nature et bien, je ne recule pas devant un bon combat. Je suis en contact avec les druides qui vivent près des ormes jumeaux. À condition que nous finissions par y aller, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Allez. Alors, comment on fait dans le groupe? Il commence à y avoir beaucoup de monde. Il faut faire des choix. Il y a trop de persos stylés. Est-ce qu'on tâche Alot? Non, Alot, il est fort. Il est très fort, Alot. Eder, c'est pas une option. On doit le garder, c'est notre tank. Marmo, bon, bah, c'est moi. Durance, il est fort aussi. En fait, ça se joue entre Parmigiano et Kana, quoi. Mais j'aime beaucoup Kana. Moi, je trouve que c'est vraiment stylé comme personnage. Kana, c'est un espèce de barde. Plus il attaque, plus... plus il va faire de champ, pardon. Plus il va gagner des charges. Et avec ses charges, il pourra balancer des sorts. Et il fait beaucoup d'invocations, ce qui est extrêmement utile. Je vais le laisser glander. Voilà, je l'ai envoyé à la maison, tant pis. Hein, ouais. Il faut bien faire un choix. Un druide, c'est un lanceur de sorts à mi-chemin entre le sorcier et le prêtre. Il peut se transformer pour taper comme un camion. Ah ouais, mais du coup, j'ai envie de garder mon prêtre parce que c'est quand même très fort de buffer tout ton groupe et tout. Ça, c'est un rapport avec la ruine, mais alors à 3000%, quoi. J'ai pas envie d'enlever Alot qui a des sorts hyper puissants aussi, quoi. Donc difficile comme choix, difficile.
On changera si à un moment on trouve que notre groupe n'est pas assez efficace, dirons-nous. On cherche les voleurs, mais ça se trouve, c'est les druides qui nous ont laté la gueule tout à l'heure. En début de partie. Ou c'est lui. Ah, si c'est lui, c'est tip top. Hein. Ah, c'est pas lui. Ah, du coup, c'est rageant. Ah! À Lyon. Ah, mais il y a un lien. Il y a un lion chez les druides. Non. Ah. Tu l'as eu? Barbatruc. Et... Ah bah si, le lion il nous en veut là. On va essayer de rester discret. Pas obligé de nous voir. Save peut-être. Ah non mais ça c'est les lions de Clodo, voilà ils font des tours. Lion âgé. Oh mais il y a carrément un vieux lion, pff, on s'en fout. Moi je croyais que c'était le lion qui accompagnait des druides tout à l'heure. Là je peux aller au village. Mais c'est pas au village, c'est sur la route du village que je dois aller. Une ferme abandonnée. Sur le chemin de Direfall. Hop. Alors on va tomber là on va tomber sur les druides. Donc on va commencer par sauvegarder. Et on va avancer avant que les lions ne nous attaquent. Très bien. Des petites plantes. On va du coup resave. Ils sont là les druides. Voilà. On va juste aller au sud. Ça se trouve la ferme elle est là. Hein, si on a un petit coup de bol. Tarnac moldave. Tant pis si on doit buter du lion, moi je m'en fous. Hein. Au bout d'un moment, voilà, il est âgé. Il est moitié cané le machin, non mais... Voilà. On va... poltagnaiser quoi. On va... tout claquer. Sur lui. Sur lui spécifiquement. Ouais, lui il me revient pas et il va cramer là. Bam, ça marche tellement pas, mon sort a loupé. Pourtant, ah non, c'est de la const... Ah ouais, il a 68, ouais, d'accord. Bah, je ne savais pas, je n'avais pas encore rencontré de lion. T'es lanceur de sort, s'il galère à toucher, faut que tu l'envoies. Perception. Que ça va augmenter la précision générale. Que ce soit avec les armes ou avec ça. Pourquoi mes mecs sont en PLS contre des lions? En même temps, j'ai engagé comme un abruti de première, là. C'est bien. Eder, tu pars tout de suite sur un renversement. Les lions, ils ont quand même 52 de déviation. Hein. Ouais, c'est beaucoup. Hein. La précision de tes poteaux, ils doivent pas être super haut. Hein. Voilà. Ton gros damage dealer physique, c'est qui? Bah, j'en ai pas. Ah. Enfin, si, j'ai Kana. Ah ouais, c'est pas ton personnage principal, ton gros dealer. Bah il fait pas que du physique puisqu'il lance quand même beaucoup de sorts quoi. Ouais, mais il a besoin de faire du gros physique quand même pour. Bah il en fait. C'est le but mais. Ouais. Bah, du coup, ouais, par contre, si on pouvait arrêter de le focus parce que là il va crever quand même. En plus, il est au corps à corps avec un arc. Pas dingue. Il va mourir là. Non, c'est bon. Oh, cette moule! Voilà. Allez, je l'ai heal de 1 point de vie. C'est quoi ce heal de merde? Ah non, c'est que j'ai pris beaucoup trop cher. Allez, c'était un beau combat. D'ailleurs, t'avais Kana qui pouvait invoquer des squelettes pendant un bon moment dans le combat. Non. Ouais, mais j'accordais pas assez d'importance au combat. Ah, merde. J'arrête d'engager comme un gros bœuf à chaque fois. Bam! Bam! C'est la moitié des lions. Hop! Alors elle,
Ok, on a aucune info. On va essayer de la cramer parce que notre sort de niveau 3, on le fait pas souvent. Hein. Allez, brûle. Immunisé. Ah, voilà, 24. 10. Ah, oh, elle prend trop cher. C'est génial. C'est exactement ce qu'on voulait. J'adore. C'est quoi le sort de niveau 3 que t'as pris avec ton perso? Ça brûle son âme sur le temps. Ah. Et c'est extrêmement fort. Ah ouais? Bah là, là, ça a bien deal. Elle a pris 17, 10 et 24 du sort. Trop dégueu. Bon alors, pourquoi est-ce qu'il y avait des lions et une dame là? Pour il y avait des rondins. C'était pour le plaisir. Bah c'est des animaux sauvages. Déjà les lions. Du coup ils, bah, ils étaient dans la nature, chez eux quoi. Bien joué Jamy. Les Delemgan, c'est genre des esprits de la forêt qui vivent à côté des arbres. Et là tu vois il y a des arbres. Du coup pareil ils étaient chez eux, et puis toi tu t'es ramé, tu les as bouqués. Comment 40 ? Après tu vois que les druides qui t'ont mis une grosse fessée tout à l'heure, je crois que c'est ils étaient corrompus, non? Il y avait pas, c'était pas des druides corrupteurs. Non. Et d'autres, hein. Mais voilà, ça veut dire qu'ils ont peut-être marché à la corruption. Bon, si c'est du pied droit, ça va. Alors que tu vois que les pois gras là, c'est genre des Lemgan justement, mais qui dont le l'environnement, en fait, parce qu'ils sont hyper liés à l'état de santé de leur environnement. Et leur environnement, en fait, a été détruit, et du coup, ça les a corrompus, ils sont devenus méchants, et ils veulent... Du coup, c'est peut-être un signe que la nature dans le coin va pas très très bien. Pourquoi tout le monde prend cher, là? C'est quoi la carotte? La Demian que t'as buté tout à l'heure là, avec ton sort de brûlure, c'est 10 fois plus fort que ça. Là. Ah ouais? Mais après là ils sont qu'à toi, c'est la version la plus faible, les potins. Ils ont plus accès à aucun des sorts qui sont cool. Là. Oh ouais! On s'est pris des asticots sur le cul là. Ah ouais, les asticots ça fait mal. Ah la vache, ça fait pas bien. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est des dégâts bruts, mais c'est surtout que... Mais il est mort! Plus tu prends de dégâts, et plus ils te font de dégâts. Si t'as tous tes points de vie, le sort te fait zéro de dégâts, mais si t'as un tout petit peu de dégâts, bah... Il commence à te faire des dégâts, et comme t'as pris des dégâts, bah il te fait encore plus de dégâts. Le personnage a dit exactement ce que je pensais. Come on, not like this! Bah oui, le combat était fini, t'es mort quoi. Pas comme ça, Zizi! Pas comme ça, Zizou! Grisou, non! Tu pouvais utiliser ton athlétisme, non? Bah vous laissez, je vais faire en roquette. Ok, merci beaucoup, Chaptai, d'être passé sur le stream, ça fait super plaisir. Bisous, chatou! Bisous, chaton! Des gros bisous à toi, n'hésite pas à revenir un de ces quatre. Salut, Chab! Et le jour où on a besoin de se faire carry, on sait où frapper. Chab, il est fort que Ice. Ils sont kiff. Oh, ah, c'est des mecs énervants. Très énervants. Ils nous ont fait prendre conscience de notre nullité. C'est intolérable. C'est pour ça bon, mais non, ils sont sauvages, ils sont pas corrompus, tu vois. Ah. Toi, tu dis des conneries, toi. Non, il y en a des corrompus, c'est plus sur un autre. Bon bah, de toute façon, il reste que là, donc... À moins que les mecs soient allés dans des ruines, mais... ça m'étonnerait beaucoup. Donc on va juste essayer de bien se positionner pour ce combat. Avec toi là, bisous Chaptai. Les mecs, c'était druide, hein. Ça a pas l'air d'être des bandits. Comment? Ça a pas l'air de... Ça a pas l'air d'être des bandits, ça. C'est des druides avec leurs animaux dans la forêt, quoi.
Ouais, enfin après, il mérite peut-être de mourir aussi, hein. Ah, oh, ça, je dis jamais dit le contraire. Ah, mais non, mais est-ce que c'est pas les voleurs qui m'ont cassé le cul, là? Je dis juste que c'est pas forcément les voleurs. Ah, ma grand. Chercher. C'est pas ça? Les voleurs qui t'ont cassé le cul à Magrane? Ouais. À Magrane, tout à l'heure, tu sais, j'y avais été pour la prime. Et après avoir tué One Shot, hein, bien sûr, le combat, y a des voleurs qui sont arrivés et qui m'ont dit je vais te buter, voilà. Ouais, mais non, je pense pas, puisque c'est pas sur la route du. Ah ouais, mais là, la route, pour le coup. Je vais torcher la route. Quoi. Check un peu la route. Sur la map du monde. Alors attends. Alot. Tu back. Non, c'est pas Alot qui engage. Ah, t'es vraiment bête, mon jeu ou quoi? Mais non, mais c'est parce qu'au moment où j'ai regardé, t'avais ton tank qui était en train de. C'est comme sur StarCraft là, t'avances, tu recules, t'avances, ouais. Tu recules. Je sais un peu plus comment ça s'appelle. Toi t'attends pas. Bon bah toi t'es au cac. Mais c'est quoi cette zone du coup? Est-ce qu'on peut savoir? Druide sauvage a interrompu Paligina. Alors que Paligina faisait rien du tout. Les pieds en mêlée. Ça c'est les pieds en mêlée. Ouais. Tu vois j'ai. Ah oui, effroi et entrave. Ah ça fait chier. Ouais j'avoue. Les deux d'un coup, c'est pas mal, non? Ouais, carrément. Paligina, mais j'ai pas envie de la mettre dans cette zone, Paligina. Paligina, j'ai envie de faire en sorte qu'elle les embête. Non, en plus, là, du coup, ils vont foutre des éclairs sur la gueule. Bam. C'est bien, Pali. Allez! On en est où? Et Serge de Sergi, on en a. En vrai, je claque tout. Hein. Je referai un dodo, tant pis, mais. Vu la tête du combat. Ouais, non, mais. Pas avoir peur de faire des dodos. Faire ça. Et toi. Oh non, en plus, il est assez fort et je l'ai assez dur ce combat. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Ah, bah ça, je te le fais pas dire. Non, remarque, je vais plutôt buffer comme ça. Avoir Paligina dans le. Paligina, là, elle donne son aura qu'à Eder. C'est pas dommage. Ah ouais. Mais d'un autre côté, voilà, elle focus deux personnes sur elle. Oui. Mais qu'elle le fasse en donnant l'aura, c'est encore mieux parce qu'elle sert à rien du tout, cette aura sur elle. Cette zone d'éclair, elle est chiante. Et je peux pas l'éviter, pourquoi pas? Non, parce qu'elle est autour du caster en fait. Hop. Elle se déplace avec le caster. Défense physique. Un très très bon sort de Druid. Hop, athlétisme direct. Allez boum. Ah, je suis assommé. Ah merde. Ça fait un peu mal au derche. Durance, il peut enlever les assommements. Et il va se relever, hein. J'espère bien. Et pas les Gina aussi. Le ouais, coquin. Mais des fois, tu peux être stun pendant longtemps. Il y a des stuns qui durent 15 secondes. Ah ouais, c'est beaucoup. Ça, je suis à combien? 52 et c'est défendu par ça, d'accord. Voilà, c'est même pas la peine de. Et le pot. Hein. Peut-être là-dessus. Ouais, peut-être pas mal ça. Mieux de l'éclair. Défendu par les réflexes, il en a pas. Ouais, faire ça. Ah bah. Donc tout le monde fait quelque chose là. Sauf Kana qui continue de glander. C'est bon. Kana, il nous chante la balade des gens heureux, c'est très bien. Oh putain, elle est morte, Paligina. Ah. Ah bon? Ah bah je sais pas, je vois pas.
Alors pareil, elle était pas à distance de Kata. Ah ben en forme de. Ah mais il défonce comme hein. Ça, les druides, ils tapent super fort. Hein. Mais tu sais, ce que je te disais tout à l'heure, Iravias, là quand tu le chopes, son stuff, il tape à 60 sur des mecs qui ont de l'armure. Non mais c'est vénère parce qu'elle était pas du tout en PLS juste avant. Ah non mais ça. Oh. Ça détruit les mecs au corps à corps hein, les druides. Ils sont pas beaucoup plus tanky, surtout les chats. Mais... Mise en pause, mort. Non, c'est pas ça. Mort de Paligina. Puis dégâts perforants là, il lui a fait. Oh, c'est pas ouf, 18 dégâts, ça va en fait. Ah oh, bah après, elle était dans le. Elle était aussi dans la. Dans l'AOE tout le temps, et puis ils ont tous balancé le Maelstrom. Ouais, bon, bref, allez. On va continuer, hein, de toute façon. Hop. Ensuite, toi. Paladin. Est-ce que tu nous ferais pas une petite lance nécrotique sur un type? Ah, il reste trop de monde pour que je fasse de la lance nécrotique. En même temps, voilà. Attends, ça te permet de finir des mecs visuels parce qu'ils peuvent se soigner. Hein. Ou alors on fait un truc comme ça, druides. Tu vois. Et les druides, ils ont des invocations aussi. Oh putain, Durance! What the fuck? Il a explosé, Durance. Ouh, les éclairs. Ouch. Et il est stun, ce con. Du coup, il est re-stun. Ah bah, il est mort. Putain, mais la gratuité d'un homme. Ah bah, bravo. C'est quoi ce sort que tu lui as pris à Kana? Bah, c'est de base, hein. C'est le médecin de terrain, c'est un soin. Il l'a de base. Eh oui. Mais c'est un petit soin pourri, c'est genre, il te fait un pansement. Hein. Non, moi, il l'a. Non, je te dis qu'il l'a. Je te jure. Mais c'est quand même fou, je te dis qu'il l'a. Mais moi, je te jure qu'il l'a pas. J'ai que ce athlétisme et. Tu veux pas entendre raison, ça sert à rien de parler. Le Wounding Shot. Et toi, le Wounding Shot, tu l'as pas. Parce que tu l'as pas appris. Je sais bien. Ou alors, on fait un gros renversement. Ouais. Bam, double renversement. Non. Mais arrêtez de faire ça. c'est pas mal, c'est pas mal. Et on peut faire un nouvel invoc. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ah, ça va un peu mieux, mais c'est pas ouf hein. Ok, bon, on arrête de blander. Il a envoyé Kana au corps à corps. Ah ouais? Oh, il peut très bien se débrouiller au corps à corps. Il a des super stats. Il peut tout faire, Kana. Salut Spectre, ça va? Ah désolé, j'ai lancé le stream un peu tard. Je me suis occupé de quelques petits trucs avec mon copain Natachat, notamment sous le stream. Je regarde en dessous du stream, j'ai changé les bannières. On est vendredi soir. Et on est vendredi soir, le vendredi tu t'es permis. Ouhouhou. Bon bah du coup, allez, hein, corps à corps. Yeah. Oui. Et Et pourquoi il y a des bois là? T'as pas la... Et tu peux encore invoquer des squelettes? Toute la vie, c'est une chance. Oh putain! Il faut pas, le truc qui a le temps de recharge avec les armes. Sauf ça fait qu'une fois qu'il a tiré, il perd quand même beaucoup en DPS pendant un certain temps. Mais attends. Alors qu'il peut faire d'autres trucs pendant ce temps-là. Mais pourquoi il est si fort?
peux le paralyser. Non. Attends, mais je savais plus. Ah, la lance, ça joue sur quoi? Ah ouais. On voit pas le focus. Falaise. C'est quoi? C'est la flamme roulante, ouais, mais je m'en fous de la flamme. Ouais, j'ai pas de sort de ouf. Non, bah je vais tenter une lance. Hein. C'est le rôdeur. Non, c'est pas le rôdeur. C'est les druides tout à l'heure qui m'ont cassé le cul 72 fois d'affilée. En tout cas, merci hein, pour l'idée de mettre Kana au cac. C'était vraiment efficace. Bien sûr, c'est... Tu dis que t'avais des squelettes aussi. Ah bah j'ai pas eu le temps de les invoquer à ce moment-là. Hein. Mec, ah mais c'est vrai qu'il y a un décalage avec ce que je vois, est-ce que... C'est sûr. Moi je te l'ai dit, t'avais carrément le temps. T'as perdu. Mais pourquoi il va au cac, ce con du cul? Parce que je t'ai dit, c'est au corps à corps hein, ce sort. Tu regardes la portée, il doit avoir 3 mètres. Et d'air. Allez, bah, on va te mettre sur une seule cible. Hein. Et il a combien de vie, le coco? Mais il en a plus. Des potions, ce sont des potions, peut-être? Ouais. Régénération. Défonce-le, EDR, défonce-le. Bam! Allez, 3. Ah, voilà. On fait moins le malin dans sa forme d'humain de merde. T'es encore sur eux. Ah bah, toujours. Tu le sais. Spectre, moi, je ne m'arrête jamais. Ça fait des bons dégâts, le drab. Hein. Ah ouais? Ouais. T'as plus de dégâts que ton auto-attaque en général, hein, si sur EDR. Tu regardes, je crois que c'est 20-30, le grab. Encore une fois, un combat rondement mené à tout le monde qui se rêve. C'est fini, on faisait les morts. Tu vois, là, t'as fait 10 de dégâts avec ton grab, comparé à ta meilleure auto-attaque qui fait 5. Ah ouais, non, mais c'était... Donc, à retenir, ne pas mettre Kana au corps à corps. C'est vrai que tu lui as toujours pas trouvé une bonne arme, aussi. Just say the word. Bah si, mais du coup, je lui ai mis vraiment une armure... Bah, il a une armure. Sans armure. Tu racontes. J'ai une armure en cuir qu'il a. Ouais, je lui ai mis une armure avec très peu de dérivation. De temps de. Ah, c'est ça. C'est une armure en cuir de base. Ah, c'est une raffinée. S'il te plaît. Kana au cac. Ouais, bah apparemment, selon les conseils des professionnels, ça marche. Bah, et quand il te reste plus personne pour ta frontline, entre Alot et Kana, je préfère mettre Kana au cas, quoi, carrément. Il me restait Eder. Lui qui a fini le combat. Mais... Eder qui était tout seul. Il est toujours tout seul. Vous réveillez et voyez Durance qui tient son bâton à deux mains devant lui. Une flamme vacille au sommet de celui-ci en projetant des ombres sur le visage de Durance, dont les yeux sont plongés dans la contemplation. Malgré la lumière produite par le feu, vos yeux ne parviennent pas à faire le point sur Durance. Vous demandez si vous êtes bien réveillé ou s'il s'agit d'un effet d'optique, mais tout est flou, à l'exception du bâton. Gorgée de café. Ah mais je suis troué de ouf sur le stream. Ah, non, c'est bon. Le bâton Durance semble examiner les inscriptions qui y sont gravées. En les observant, vous constatez que les inscriptions flamboient légèrement à travers les fissures du bois chaud. Comme du métal en fusion. Les lignes s'embrasent progressivement sur les bords du bâton avant de former un réseau complexe de veines ardentes et de s'agglutiner en couches épaisses qui palpitent comme un cœur près des mains de Durance. Les observant, vous constatez que les veines forment une spirale composée d'une douzaine de cercles distincts. Des cercles qui forment à nouveau une spirale jusqu'à représenter à leur tour un cercle. Les cercles palpitent et s'arrêtent, tout est étrangement silencieux, puis... Puis soudain, une intense lumière jaillit du feu en produisant un souffle et un éclair. Vous vous réveillez à nouveau. Durance est à la même place, son bâton à la main, mais il est bien réel. Il ne semble pas vous avoir remarqué ni réagir à ce qui s'est passé. Ah là là, l'arnaque. C'est
C'est mystérieux. Eh, coucou Durance. J'ai senti votre regard posé sur moi. Et maintenant, place au mot. Ouah, c'est quoi cette voix de Durance? Ouais, ouais, il est trop hardcore, c'est un prêtre. Bonjour. Non, Non, oh, il est un peu vénère comme prêtre. Voilà, on va faire un truc très... Ça, c'est bien. J'ai senti votre regard posé sur moi. Et maintenant, place au mot. Ouais, ça, c'est pas mal. Pas mal. J'espère qu'il parle pas beaucoup. Hein. J'aimerais vous poser quelques questions. Ça dépend de toi, en fait. Si les doutes et la curiosité vous tourmentent, vous ne frappez pas à la bonne porte. Alors. Pourquoi ? Ah, il va parler beaucoup. Oui. Pourquoi étions-nous censés nous rencontrer ? Pourquoi ? Parce que vous êtes un gardien. Un gardien suit deux routes faites de pourquoi, tandis que moi, je me demande quoi ? Il fut un temps où je n'aurais pas accordé la moindre attention à vos paroles, ni à vos personnes d'ailleurs. Mais aujourd'hui, je me consacre à la recherche de gardiens pour leur enseigner la vérité et découvrir laquelle des deux routes les attire. Mais quel genre de vérité ? Que dis-tu, Dirance ? Soit vous êtes un champ desséché qui doit être brûlé. Soit vous êtes perdu dans l'obscurité. Dans les deux cas, vous n'avez pas les mêmes perceptions que les autres. Je le sais à la façon dont vous avez remarqué le bâton. Rares sont ceux qui peuvent le voir dès le premier regard. Je ne parle pas des inscriptions ou des flammes, mais de vos yeux. Vos yeux ont suivi le chemin, je les ai vus. Et du coup, toi, t'es plutôt un champ desséché ou un être perdu dans l'obscurité ? On cesse de se poser cette question le jour où nos chemins n'ont plus besoin de se rejoindre et l'épreuve est alors terminée. Vous me mettez à l'épreuve alors ? Vous savez que cette nation est ma... Je coupe la pub, 2 secondes. Ah, voilà. Vous savez que cette nation est malade, inutile d'être un gardien pour le voir à travers les enfants, la politique, les hommes qui parcourent les routes avec un couteau à la main et une expression criminelle dans le regard. Ce pays a besoin que la vie revienne, que de nouvelles graines soient plantées dans le sol brûlé. Et quelque chose me dit que vous voyez le schéma à suivre pour que cet avenir se réalise. Gardien, comme tous vos semblables. La pub Spotify Spectre. Alors, nous devons nous assurer que votre vision soit juste. Cette nation et son peuple n'ont plus besoin de tous ces mensonges qui les aveuglent et moi non plus. Vous testez une vérité. Vous ne l'acceptez pas aveuglément. Et comment comptez-vous me tester ? En voyageant ensemble, naturellement. Nos vérités s'associeront en accordant nos pas en rythme. Les autres prêtres peuvent garder leurs enseignements et leurs sermons, car ma foi, mon enseignement, qui consiste à ce que nous voyageons ensemble, est une vérité simple et implacable. Quand une vérité se heurte à la jambe d'une autre, les deux jambes sont solides. J'ai vraiment du mal à tenir cette voix. Ça me fait mal. Et si un mensonge se heurte au genou avec la même force ? Eh bien, vous l'estropiez, et il ne vous reste plus qu'une jambe sur laquelle vous appuyez. Et c'est pour... Est-ce pour ça que tu as un bâton ? J'avais posé la question. Il va me prendre pour un gros con. T'as pas compris, c'était métaphorique ? Est-ce pour cela que... De ton côté... Durance s'interrompt, cligne des yeux, puis sa tête bascule en arrière, et il éclate d'un long rire jusqu'à ce qu'il commence à manquer d'air. Vos paroles méritent peut-être d'être entendues, gardien. Mais la vérité l'emportera. Suivez le rythme et nous verrons. Allez, une autre question. C'est le moment où on s'éclate. Tu lui demandais si lui, sa vérité avait déjà été... C'est déjà cassé la gueule une fois. J'ai vu une chose étrange. Vous étiez assis près du feu et une lumière intense jaillissait de votre bâton. Dites-moi ce que vous avez vu. Oui, j'aurais déjà dû lui dire en fait. Ah, bah il vient de me filer de l'XP. Ouh. J'aurais pu le passer à côté de l'XP. Divin. Ah bah non, le marteau divin. C'était une arme du peuple de Dyerwood. Le symbole de leur indépendance. Elle a sauvé Dyerwood. Que savez-vous sur lui ? Il a mis fin à la guerre du Saint en renversant un dieu de son perchoir.
Rares sont ceux qui n'iraient qu'Eotas à dépasser les bornes. C'est le message que le marteau divin a adressé à Eotas. Vous avez vu sa lumière parce que j'ai contribué à le façonner, à lui donner vie et à le libérer. Lorsqu'on l'a vu, son rayonnement semble presque trop intense pour être vrai, et on ne l'oublie pas. Vous avez contribué à la fabrication du marteau divin. Ah, nous étions 12. Nous avons façonné l'arme, élaboré ses plans, prié pour être guidés à Ashfall, et j'ai alors réalisé que chacun de nous avait reçu un bâton issu de la forêt des arbres noirs dont émanaient des braises et un feu bien plus intense que cette branche que vous voyez là. J'avais l'impression que le bâton était un doigt de Magran qui guidait ma main et celle des 11 autres, les ombres des 12 qui allaient se poster sur le pont pour arrêter Eotas. Stylé. Les ombres des 12. Il y avait un rituel pour les 12 qui se tenaient sur le pont. Il y avait une douzaine d'ombres projetées. Une douzaine de fidèles de Magran, les plus fervents partisans qui avaient façonné le marteau divin. Yoran pose le bâton devant lui et la flamme qu'il surmonte s'enroule momentanément. Puis la lumière s'intensifie légèrement, avant de former progressivement 12 anneaux de flamme. Face à Eotas, nous tous les 12 avons déchaîné nos prières et laissé tomber le marteau divin. Une lumière intense apparaît et puis s'estompe pour laisser place à une lueur semblable à celle d'une bougie. Les ombres vous paraissent ensuite plus nettes, comme pourvues de contours, et vous clignez des yeux pour mieux voir. Durance regarde toujours attentivement la petite flamme semblable à une bougie. Les ombres projetées par le feu du marteau divin, peut-être. Soudain, la flamme s'éteint sans produire de fumée. Et nous avons également partagé leur sort. D'ailleurs, Wood porte aujourd'hui la marque du marteau divin. La marque de Magran. Durance fronce les sourcils et détourne les yeux du bâton. Je voulais vous dire, nous avons également partagé leur sort. Tous les morts ne sont pas paisibles. Toutes les morts ne sont pas paisibles. Il y a des passions qui s'apaisent en dessous de la ceinture. Certaines morts viennent du silence. Quoi ? Le lien que nous avions jadis avec Magran a été emporté par la lumière du marteau divin. Comme si nous avions perdu nos sens et notre détermination. Au lieu d'une victoire bienvenue, ce fut le silence. Rares sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir tué un dieu. Cela n'a rien d'héroïque, vous savez. Et cette mort a changé notre foi, toutes les fois, je pense. Le doute a suivi, et le monde a changé. Je crois que nous avons fait des plus à Magran. Il y a un problème avec son bâton. Fallait que tu la fasses. Le monde est brisé, la roue est immobilisée. Le cœur du monde est malade et c'est peut-être le prix à payer pour avoir contrarié un dieu. Pour avoir contrarié deux dieux. Car bien que Magran ait guidé nos mains, sa volonté a peut-être dépassé une limite qui ne devait pas être franchie. Comme l'a fait Veidven, Saint Veidven. L'arrogance des mortels face à l'arrogance des mortels. Et si le monde avait changé, je devais changer avec lui. Si j'avais oublié certains enseignements de Magran, je devrais les retrouver. Je devrais m'assurer qu'elle me voit à nouveau. Donc, qu'avez-vous fait ? Je me suis souvenu des enseignements de Magran, que les marques laissées dans la chair étaient plus importantes que la mort d'un vaisseau. Et je me suis demandé si le fait d'avoir tué Eotas l'avait libéré. Avait-il réussi à échapper à son châtiment et à rejoindre la roue ? La voix de Durance devient étrange. Pour une fois, il semble sincèrement s'interroger. Comme un mortel ? Je coule la tête. En revenant du pont du marteau divin désormais béni, j'ai pensé à Ashfall, à la guerre des arbres noirs, et me suis demandé s'il fallait que je sois brûlé pour me retrouver. C'est ça le cœur de Magran. J'ai au moins cet espoir. Voilà les doutes qui m'assaillent. M'assaillent. Guerrier m'assaillent. Les guerriers. Que s'est-il passé lorsque vous êtes retourné à Ashfall ? La route qui mène à Ashfall est longue, ce qui laisse le temps de réfléchir. Et si vous prenez le temps de réfléchir, vous ne rentrez pas chez vous. Je suis parti sans rien dire à personne, avec pour seul bagage la robe que je portais à Algoth, mon bâton et mon nom qui est enterré depuis longtemps. J'ignore ce que sont devenus les 11 autres partisans et disciples, et s'ils ont été assaillis par les mêmes doutes que moi, mais ce n'était pas bien. Nous avions fait tout ça, la Catin avait demandé et obtenu la victoire après la défaite, et...
Spectre, il est à fond dans le chat. Ça balance des noms, là. Spectre, il a carrément pris parti. Charles de Dieu ! Salaud ! Coupable ! À vous ! Bah, Spectre, c'est un néo-tasien, ça se sent. Donc, c'est qui, la catin ? Ou alors ? Il en sait encore plus que nous. Donc, vous avez l'impression d'avoir été... Avez-vous l'impression d'avoir... trahi votre dieu? Non. Oui, je suis allé, on va dire ça. Ce n'est pas rien d'être utilisé et rejeté. Veidven a peut-être ressenti la même chose à la fin quand le marteau a frappé. Il serait la preuve que votre dieu est aussi creux que le vaisseau qu'il habite. J'ai essayé de trouver une explication, j'ai évité tout contact avec d'autres prêtres de Magran. Je n'ai pas cherché les murs d'Ashfall et j'ai essayé de faire amende honorable auprès de mon dieu à travers mes actes. J'ai participé aux purges pendant un certain temps, et peu après, les premiers signes des sans-âmes sont apparus. Tant de crimes, de profanations, de violations. Le salut. Les animaux anciens ne sont qu'un mal de plus engendré par la guerre du Saint, une rechute de l'innovation et du désespoir pour réparer nos erreurs. Tout semblait pire qu'avant le pont, et au fil des ans, malgré la victoire, la situation n'a fait qu'empirer. Peut-être que Magran ne voulait pas non plus des purges. De la sueur s'accumule dans les rides noires de suie de son front et coule sur ses joues rougeaudes. Elle goûte au bout de son nez. Ah oui, il a chaud. Hein. Ses lèvres bougent, mais aucun son ne sort de sa bouche. Pour une fois, il est perdu. En sentant votre regard posé sur lui, il se calme rapidement et s'essuie le front avec le dos de sa main. On est à fond, là, on est à fond. Si vous vouez un culte lubie d'une garce volage, vous ne serez jamais rien d'autre que de la poussière sous ses pieds. Mais si vous vouez un culte à ce qu'elle vénère et considérez son feu comme le vôtre, elle vous respectera. Et bien sûr, à ce moment-là, vous n'en aurez plus besoin. L'épreuve est la transformation, comme l'a enseigné Durance. Durance vous lance un regard noir et ses yeux vous donnent l'impression d'être au bord d'un précipice. Vous croyez pouvoir mettre du charbon à mes pieds, mais ce qui a déjà brûlé ne brûlera jamais plus. Ces discussions sont votre épreuve, gardien. Vous ne pouvez pas détourner la vérité sur quelqu'un qui a déjà été purifié par elle. Ah bah du coup, parle-moi. Parle-moi de tes rêves. Parle-moi, je te crois. Qu'est-ce qui s'est passé sur le pont? Nous avions choisi le pont parce que nous pouvions le contrôler. GG level up, Spectre, GG level up, Saint-Penny. Quel acting. Ah mais oui, mais là, mais il faut préparer les awards, les Césars, tout ce qu'il faut. Les mains de Durance serrent le haut du bâton comme si elles le tenaient par le cou. Nous savions que nous pouvions y faire trébucher, Otas. Mais au-delà de cela, c'était le symbole de la colonne vertébrale de Dyerwood. De tels symboles sont importants lorsqu'on fabrique une arme. N'importe quelle arme. Je pense qu'Eotas le savait, de même que son vaisseau avec son arrogance. Il avait l'intention de marcher sur le pont comme si c'était le dos de Dyerwood, et nous avions l'intention de le brûler avec la lumière de notre foi et la sienne. 12 sur le pont, 12 dans l'ombre, et nous nous sommes donnés à lui. Et c'est dégueulasse! Vous vous êtes donné à lui? Au marteau d'Iva, bien sûr, hein, pas de... Voilà. Un tel dispositif n'est pas simplement une machine, il renferme des éléments spirituels. Même de l'esprit de Veidven. Hein ? Les 12 qui ont produit le marteau divin étaient prêts à tout pour sauver Dyerwood, pour sauver leur peuple. C'est la raison pour laquelle nous avons été choisis. Chacun de nous haïssait cet imposteur. Cette rage, cet esprit, cette rébellion ont imprégné notre œuvre et nous ont permis d'étudier Veidven. Nous avons tous étudié Veidven, c'était notre ennemi et il était la chair que le dieu portait comme un manteau, mais cette chair le rendait vulnérable. Je connaissais les champs que ses mains avaient cultivés, sa famille, ce qu'il avait récolté. Je savais où il était né et nous voulions le connaître pour savoir ce qu'il avait poussé à nous combattre. Vous ne tuez pas le dieu mais l'homme dans lequel il habite et vous transformez cet homme en cendre. L'arme était destinée à consumer sa chair mais aussi son âme. Et ce qu'elle a fait au détriment de la nôtre et de la faveur de notre déesse. Que cette catin soit damnée. Putain, il l'aime plus, hein, sa déesse, hein. Euh...
Et c'est ce qu'elle a fait au détriment de la note et de la faveur de notre nest, d'accord. On dirait que vous avez été victime de l'arbre que vous avez contribué à créer. Vos yeux ont peut-être été aveuglés par la vérité du marteau divin, gardien. J'ai peut-être parfois l'impression de n'être qu'à moitié un homme, mais c'est déjà deux fois plus que la plupart des gens. Si vous avez peur pour mon esprit, ces peurs sont sans fondement. Le fait d'avoir vu la lumière du marteau divin n'a fait que renforcer ma colère. En outre, cela m'a rendu plus fort et m'a permis de réexaminer les enseignements de Magrand, de les appréhender sous un autre angle. J'aimerais vous poser d'autres questions sur le marteau divin. Dans la vision que j'ai eue de votre bâton, vous étiez flou. Non, j'ai fait le jeu en normal, puis en moitié de parcours, j'ai rushé le boss que je n'ai pas tué, puis j'ai arrêté de jouer. J'ai perdu ma save, là j'ai relancé un run normal sans run. Je pense qu'il est salé de ouf. Ouais, on dirait, hein. En même temps, il a l'air d'avoir eu quelques petites péripéties, quand même. Vos yeux ont peut-être été aveuglés par la lumière du marteau divin, gardien. J'ai peut-être parfois l'impression de n'être qu'à moitié... Oui. D'accord. J'ai l'impression que vous n'êtes pas entier, comme si votre esprit avait été coupé en deux. J'en ai assez de vos questions, gardien. Je ne vous permets pas de me sonder ainsi. Allez-vous-en et laissez-moi tranquille. Quoi ? Ouais, c'est je crois le seul personnage du jeu qui fait ça. Ouais, c'est je crois le seul personnage. Merde, excusez-moi. Oh, vortex de merdier ! J'étais en train de manger, je voulais pas qu'on m'entende. Sur le stream, quoi. Mais ouais, je crois que c'est le seul perso comme ça qui te dit ferme ta gueule, arrête de poser des questions. Que pensez-vous de Magrand ? C'est une déesse versatile qui. Commet toutes les erreurs qu'on peut attendre d'une impératrice et d'une catin, et son clergé commet les mêmes erreurs. Trop d'yeux, trop de désirs, trop d'attentes, les dieux font eux-mêmes des erreurs, il y a plus de formes que de mots pour la décrire, comme pour la plupart d'entre eux, un dieu qui veille sur un trop grand nombre de nations s'affaiblit. Bien que les flammes passent rarement deux fois, alors c'est peut-être la seule vérité qu'elle embrasse. Qui sait, les dieux deviennent cupides. Quant au feu, le feu est la fin d'un dieu. Ah bah l'histoire pour l'instant elle est floue pour moi, Spectre. Hein. Voilà, bon bah c'est bien, il nous a parlé, tout le monde a level up. Oh, des nouveaux pouvoirs. Alors, moi, il y avait un pouvoir de niveau 3 qui me faisait un petit peu de l'œil. Ce qui les effraie, les rend malades, non? Maître marionnettiste, oui. Domination. Alors, moi, j'ai une question pour les gens qui ont l'air de connaître le jeu. Quelle est la différence entre le charme et la domination? Est-ce que c'est juste sur les défenses qui sont mises en jeu ou c'est quoi le... Non, c'est les mêmes, mais là, c'est pas les mêmes durées, tu vois, le charme que t'as là. Je peux pas voir. Ton charme, il dure 13 secondes, une dizaine de secondes, la domination c'est une vingtaine de secondes. Et okay. Après, je suis pas sûr, il faudrait que je teste un peu plus, mais j'ai l'impression que tu peux remplacer un charme par une domination, mais tu peux pas remplacer une domination par un charme. Oui, ça il l'a dit. Ouais. Qui ça ? Le jeu. Ah ok, j'ai pas vu. Non, c'est que il l'a dit. Ah, tu l'as là. Dans les astuces ? Parce que moi, du coup, écho génère une vague bondissante d'écho pour les clairvoyants et un allié infligeant des dégâts contondants. Les personnages pris entre les deux. Lien de douleur, c'est pas mal sur ton tank. Ouais. Oui, voilà, ça a l'air bien, ça. L'écho, je l'ai pris, mais je l'ai pas encore beaucoup utilisé. J'ai l'impression que c'est le même genre de... C'est comme le truc antipathique, là. Je vais le prendre, ça.
Mais ouais, non. C'est l'antipathique de non. Niveau 2, quoi. Bah, c'est un autre dégât, c'est pas du corot, c'est du crush. Ouais. Il y en avait bah, le marionnettiste, il est pas mal. Moi je l'ai pris parce que, comme j'ai le joueur en anglais, il s'appelle Puppet Master. J'ai pas fini les quêtes des persos, j'en sais un petit peu plus, mais pas tant que ça. Ah ouais, d'accord. Domination, tu contrôles le charme, non si, quand tu charmes, tu contrôles, il me semble. Hein. Enfin, il attaque non. La même cible que le mec qui a lancé le charme. Ouais, ils sont de ton côté, mais tu les contrôles pas. Ouais, mais si tu t'attaques quelqu'un d'autre avec le lanceur de sort, il change de cible lui aussi, tu vois. Donc tu le contrôles pas indépendamment, mais... Mais tu vois, par exemple, si t'as un pote à toi qui se fait charmer et que toi, tu le recharmes, tu reprends pas le contrôle de ton perso totalement. Il est revient dans ton camp, mais il est charmé quand même. Du coup, t'as pas accès à ses sorts ni rien. Je vais prendre le fouet sanglant. Oh là, spectre. Moi, j'ai joué à Baldur's Gate et Planescape. Temple of Elementary Evil, j'y ai pas joué. Mais c'est sur la liste. Moi, j'ai joué à aucun de ces jeux. En plus, tu les trouves pour vraiment pas cher sur GOG en solde. Souvent. Alors, qu'est-ce que je peux prendre sur Eder? Et toi, Spectre? Tu les as fait tous ces jeux-là? Moi, le jeu de rôle, c'est une longue histoire. T'as fait les Fallout, toi, Mojo? Ouais. Ah, je savais pas. Bon, déviation supérieure, ça peut être pas mal. Ou alors, je prends un truc de classe, quoi. Le poème imite la capacité de l'incantateur à invoquer des squelettes, mais il ne peut être utilisé que rarement et après un certain temps de combat. Ah. Ouais, bof. De quoi? Non, je lis mes sorts. Bah ça, c'est des trucs que tu piques aux autres classes, un peu. Ouais, ressemblant au moment... Ouais, d'accord. Défenseur prudent, plus 5 sur toutes les défenses, sauf la déviation. Toujours bon à prendre. Ouais. Bonus au renversement, une utilisation supplémentaire. Ouais, mais non, j'utilise déjà pas. Attends, ouais. C'est temps. Hein. Oui, non, mais je sais, mais. C'est gratos. Mais je rigole, je l'utilise. Pass of Exile, c'est les anciens de Black Isle Studio qui l'ont fait. Black Isle, c'est Baldur's Gate. Ah non, Baldur's Icewind Dale. Des Baldur's... Je sais pas. En défensif autrement, retraite élégante. Défense plus 12 de désengagement. Pas mal ça. Mais déviation plus 5, c'est pas mal aussi, hein. Ouais, déviation plus 5, il est bien. C'est un très bon talent. Ouais, bah je vais le prendre. Je te conseille de le prendre. J'avais qu'un point, on est d'accord. Ouais, t'as qu'un seul point de talent. Hey, GG level up, Emrys. Toujours dans mon cœur, brother. Brother from another mother. Mon petit cana. Comment ça va, gros? Oh! Oh
Le fantôme de Renny Dernay par là. Je t'attraperai, bien fidèle. Ça va, ça va. Je suis en train de faire des allergies, là. Donc, j'ai mon nez qui coule. Mais non, ça va très bien. Je suis content, on avance bien sur Pillars. Agréable, agréable. Pas des worms. Parce que les feux follets, c'est fort aussi. Hein. Joue à où là, Emrys? Les feux follets, c'est pas dégueu. Ouais, on va faire ça. J'aime bien les feux follets, moi. J'ai le droit à combien? J'ai le droit qu'à 1. Ouais. Eh ben, on va faire ça. Hop! Et là, j'ai un nouveau talent. Un seul point de talent. Ça, je m'en fous. Ah, il a pas grand chose, hein. Il emprunte beaucoup aux autres. Genre, là, ça augmente ma capacité de guérison de souvenirs anciens. Ouais, pas foufou. Charme de l'énigme, peut-être. Doté du pouvoir d'un clairvoyant débutant, le personnage peut momentanément charmer un adversaire. Ouais, non. Bah, peut-être en offensif. En soldat. Précision, marteau de guerre, grande arbalète, arquebuse. Filet gourdin, pistolet, tromblon. Achète lance, bâton, arc de chasse. Poignard, rapière, masse d'armes, sceptre, bourdon. Page de combat, épée, étoile, arbalète. Ah, parce que. Mais une arquebuse, c'est considéré comme un tromblon? Non. C'est deux armes différentes. Un tromblon, c'est un genre de fusil à pompe. Il envoie. Bah, je sais bien, mais y a pas arquebuse. Arquebuse, si, arquebuse, il a, c'est le voyou, non? Il a pistolet et arquebuse, et tromblon, je crois. Ah oui, non, merde. Du coup, arquebuse, c'est pas le soldat qui a l'arquebuse? Mais y a pas, mon gars, y a pas. Ah pas si, le soldat, ah si. Bien joué. Bon, on va faire ça. Voilà, plus de dégâts à l'arquebuse. Un nouveau spray pour le nez, il est excellent pour les allergies, ça m'a changé la vie. Ah ouais, parce que là, je suis pas bien, en vrai. En train de faire et une crise d'asthme et le nez qui coule. 1, 2, 3, j'arrête de jouer, là, c'est bon. J'ai touché terre avant, là, ça va. Hop. Bon, la fine équipe, là. C'est bien, tout le monde a level up. C'est plaisir, hein. On en est où? On en est à suivre la route. Un petit pouic ici, oui, bah on la suit. Alors on va essayer, voilà, on va aller au village et on va bien voir ce qui se passe parce que le long de la route, on y est passé, il y avait rien quoi. On a tellement de nouveaux sorts, j'ai hâte. On est à l'entrée de la ville, hein, donc s'il y a des bandits, ils sont là. Ok, il y a pas de bandits. Bonjour, vous avez pas vu des bandits? Bonjour, est-ce que vous avez 2 minutes pour notre Seigneur Jésus-Christ? Ah! Un elfe musard près de la route, regardant le village de l'autre côté de la rivière. Alors, vous voyez approcher, il vous fait un signe de tête. Les silhouettes encapuchonnées situées près de lui se taisent. Salut! J'ai entendu parler de vous, on dit que vous avez eu fort à faire à la baie du défi. J'ai fort à faire moi aussi, elle me tarde d'en finir pour retourner en ville. De quoi s'agit-il? Vous n'êtes pas au courant, il y a une meurtrière dans la nature. Après avoir sombré dans la folie, elle aurait étranglé une douzaine d'enfants en bonne santé parce que les siens étaient sans âme. Nous sommes venus de la baie du défi pour la traduire en justice. Est-elle ici? Oui!
Elle se cache dans le village, nous irions nous-mêmes la chercher, mais le problème c'est qu'elle nous connaît. Inutile de dire ce qu'elle fera si elle nous voit arriver. Nous aimerions éviter d'autres dommages collatéraux. Elle s'appelle Nifre, c'est une Orlane. Nous aimerions qu'elle sorte de ce trou pour nous permettre de nous en occuper. Elle sait que nous la cherchons. Et si quelqu'un pouvait la convaincre qu'elle serait plus en sécurité en quittant le village. Il s'agit d'une redoutable meurtrière. Pourquoi le duc n'a-t-il pas envoyé les chevaliers du creuset à ses trousses? Les puissances en présence veulent tenir cela sous silence pour des raisons évidentes. Vaut mieux ne pas faire de bruit et surtout ne pas l'inciter à faire quelque chose de dramatique. Voilà. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Moi, je cherche des bandits. Peut-être là-dedans. Peut-être qu'ils se sont cachés dans l'église. C'est les billes. Ah, mais c'est un Pokémon rare. Bon, eh ben on a... apparemment loupé quelque chose, donc on va retourner sur les gorges. Hein. Surtout que là, il nous proposait pas une autre zone, on est d'accord. Enfin, bah... où j'arrive ici? Ouais non, c'est bien ça. Hein. Du coup, il devrait être dans le coin. Suivez la route. Non mais là, on m'a fait une arnaque là, j'aime pas ça. Dame. Est-ce qu'ils sont là? Mais non, mais on est déjà descendu. Il y a de la flotte, c'est tout ce qu'il y a. On va trouver, hein. C'est où? C'est là. Un voleur a mentionné une ferme abandonnée sur le chemin de Dyerford. Putain, mais il n'y a pas de ferme abandonnée. Moi qu'on puisse passer de là, non? Tu veux, je viens à ta rescousse ou pas? Ouais, je veux bien, ouais. Bah, regarde là sur la carte du monde, là, putain. Ouais. Oh putain, il y a les plaines avant. Voilà. Oh putain, il y a les. J'ai résolu ça tout seul. Vous avez rien vu le stream, ok? Tu es vraiment le plus fort. Eh oui, mais j'ai utilisé mes capacités cognitives hors du chemin. Hein. Hors du chemin. Un de mes préférés, c'est un des livres sur les plans. Les histoires sont ouf. Pas de quoi vous parler. Il faut mettre un truc dans le trou pour que ça s'ouvre au bon moment de la journée, je suppose. Mais j'étais déjà rentré là-dedans. Vu comment j'avais fait. Où ça? Ah oui, bah c'était une quête qui te demande d'aller là-bas. Attends, il y a une ferme là, quelque part. Là. Ah, l'assaut! Allez, on va les latter. Hein. On les défonce. C'est ça.
Ah non, c'est vrai qu'on peut discuter. Ouais, non, ils sont tout de suite. D'accord. Les mecs sont assez vindicatifs. Hein. Ouah, mais il y a du monde. Bonjour. Salut. Attends. Fais pas de conneries, Alot. Bam. Oh, oh mon bâtard. Et regarde, Spectre. Je vais te montrer un truc. C'est une technique que seuls les streamers avancés connaissent. Impressionnant, n'est-ce pas? Tu as réponse à ta question. Et moi, un trou dans la tête. Hop! C'était mon cadeau de Noël. Ma mademoiselle. Qui a été largement inspirée. Et donc, tout à l'heure, désolé, j'étais en plein dialogue, donc je me suis dit, je vais pas le lire tout de suite. Mais ouais, tu parlais de faire... Elle est où parmi Jano? Tu parlais d'utiliser un modificateur de voix. Pourquoi pas, mais un logiciel, tu veux dire? De modification de voix? Ouais. Et du coup, tu devrais te mettre 50 voix différentes sur toutes tes touches et switcher entre chaque voix. C'est, en soi, c'est une bonne idée, mais ça doit être assez encombrant à utiliser au final. Ah oui, non. Toi, voilà. Le lien de douleur. Voilà. Il faut trouver un moyen de rendre ça assez accessible. Je sais que les streamers que je regarde qui utilisent des modificateurs de voix ou en fait plutôt du hardware, tu vois. Pour la simple et bonne raison que bah du coup ils ont juste des boutons devant eux sur lesquels appuyer pour modifier. Et des potards un peu comme sur les amplis de gratte. Hop. Ingrid, tu vas faire brûler le monsieur. Alors, voilà. You Vlad. Toi, tu soignes. Et Kana, voilà. Kana, juste pour le plaisir, il fait son invoke. Oh. Ah, mais c'est le boss. Lattez-lui la gueule. Ah, bah, il est mort. Ah! Ah, j'ai le nez qui coule, je suis désolé, les amis. Pas classe. On va voir mon corps là qui me dit le printemps arrive, va te cacher. Sans publicité pour casser le rythme. Et grâce à l'écouteur connexion, vous pourrez emporter votre musique partout. Même là où ça... Le grimoire d'Ibène, on va le mettre sur Alot. Et tout le reste, ça va dans la stache. Oh! De quoi? Alors que vous en parlez du parchemin, une voix se fait entendre. Vous l'avez trouvé, maintenant renoncez-y. Quoi? Pensez que ce vol était accidentel. Mes reliques n'ont jamais eu vocation à rester bien longtemps au même endroit. Mais à être sans cesse perdu puis retrouvé, la quête qui en découle est précieuse. Apportez cela à la prairie noire, trouvez le Drake orienté vers l'est et enterrez-le près de son crâne. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé que tu iras bien dans ton groupe pour voir. Oh, la belle armure. Iran Ras. Elle est pas mal. Hein. Et bon, ça compte, d'accord. Moustique. Ça a l'air rayon de soleil. Ah. Rayon de soleil. Pas mal. Ouais, c'est bien stylé en vrai.
Par contre, elle est assez lourde à porter, quoi. Mais sur qui je peux la mettre, du coup? Bah, sur ma paladin, pourquoi pas? Pourquoi pas? Kiki, alors toi, ton armure, elle fait quoi? Réduction de dégâts d'armure plus 50% si santé inférieure à 25%. Réduction de dégâts... Ouais... J'ai l'impression que celle-là, elle est terriblement mieux. Un poil plus lourd. Hein? Ah, elle est un poil plus lourde, ouais. Mais bon. Et elle t'offre pas tous les mêmes risques. Là, on est sur du tranchant contendant. Moi, je préfère les mailles. Hein. C'est moins spécialisé, quoi. Ah, par contre, elle est plus jolie, celle-là. Ah, oui. Salut, Child Ishder. Bienvenue chez les gros bêtas, gros bisous, merci beaucoup pour le follow, comment vas-tu, Child Ishder? C'est pas Childish Doctor? Ah, peut-être, Childish Doctor. Ou peut-être que c'est un ami anglais. Welcome, my brother, Childish. Sure. Thanks for the follow, bro, how is it going? Bien sûr, on attire une communauté anglaise. C'est normal, c'est stream des gros bêtas. Yeah. Welcome on the stream of gros bêta. You're part of the team now. Ready when you are. Bon, bah c'est super. Est-ce qu'on ramène le parchemin à la dame? Et donc, on permet à l'animancienne... Ah, là, on commence à avoir du dilemme. Là, il y a du boulot. Soit on va prendre le, on ramène le parchemin. Une fois qu'on lui a ramené le parchemin, elle est contente, elle nous donne accès probablement aux écrits un peu cachés dont on avait besoin si on voulait satisfaire la quête de l'anime ancienne. Ou alors, on fait ce que le dieu il a dit, le dieu des secrets, et on va directement enterrer tout ça. Qu'en pensez-vous? Peut-être qu'elle le prendra bien, quand même, que son dieu demande. Hmm. Bon, enfin, ça. Du coup, niveau arnaque moldave, c'est comme si je lui offrais la carte d'anniversaire, là. Bien sûr, mais bien sûr que j'ai repris le parchemin, mais je l'ai enterré quelque part, c'est Dieu qui me l'a demandé. Bah, hier, non, j'ai bien caché. Bah, et puis, j'ai pas le droit de dire où c'est un secret. Après, c'est aussi dans ce genre de situation que en jeu la réputation que t'as auprès des gens. Dans la prairie noire. Je vais aller dans la prairie noire, enterrer tout ça. Attendez, je dis bonne nuit. C'est bon. Embrassé. Oh. Mais si ça se trouve, c'est peut-être juste un mec qui parle de la télépathie qui te parle dans ta tête. Ouais, je suis gardien moi. Attends, jamais on me fait de la télépathie. Mec, Que dalle. T'inquiète. Mais la naine, elle était pas capable de te parler dans ta tête sans que tu demandes rien? Non. Non, elle était morte. Ah, l'anime ancienne crevée. Ouais. Mais non, mais c'était pour me révéler mon destin de gardien. Maintenant, attends, mais... Chasseur d'âme Glorfat, je sais pas. Mes compétences de gardien ont augmenté de ouf. Donc c'est là, voilà. Bonjour. Comment on enterre des trucs? Ça marche comment? Il t'a donné des instructions très précises sur l'endroit. Ah. Où... Tout le crâne du Drake tourné vers l'est. Dans la prairie noire. Ah oui, c'est pas lui. Il y a une jolie carte avec les Drake. Ah, il y en a que deux. Ah non, il y a lui. Oh, la belle prise. Enterrer le parchemin. C'est juste à côté. Bien joué, gardien. Et on est récompensé de quoi? Rien, t'as juste fait ce qu'un dieu t'a demandé. Quoi?
Alors pourquoi il devrait être récompensé? C'est un dieu, t'as fait ce qu'il a demandé, c'est bien. Il devrait être content que roi Arthur il vous fasse pas tous arracher la peau du cul, hein. Mais il pouvait me lâcher quand même 3 pièces d'or, un ticket resto, pourquoi pas? C'est un dieu, il a pas de ticket resto. Mais il peut en créer autant qu'il veut! Il sait même pas s'il mange. Moi je dis peut-être que tu t'es fait arnaquer. J'ai l'impression de m'être fait arnaquer, ouais. Bon, on va aller à Copper Lane, on rend la quête. On va lui dire, voilà, je l'ai enterré mais c'est un secret, viens pas me faire chier. J'espère que ça va passer. C'est ton dieu, il est con comme les pommes. Potin. Il m'a arnaqué ton dieu. Ou alors c'est le... Oh putain, il y a une arène. C'est un peu ah, un film. Faites entrer la vachette, Interville. Filou. Moi j'attends la quête du rôdeur, je pense qu'on va bien se marrer. Bah tu sais que j'allais la faire tout à l'heure et puis je me suis rappelé que t'avais dit ça, donc je l'ai pas faite. Parce que j'avais peur de me faire casser le cul. I was afraid to get my ass broken. Toujours en live, toujours la banane, rassurez-vous. Ça va, Saint-Penny? Mon trou dans le front. Putain, mais ils font quoi là? Wow! Mais ils sont en. Ils sont perdus, non? Ah, ils sont en scred! Mec, qui se déplace dans le centre-ville, c'est. Touroum, 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 touroum. T'étais déjà en sneaky au milieu des champs. Oui, avant. Mais oui, mais c'est bon, maintenant vous êtes en ville, les gars. C'est pas du tout ici. Si, c'est là. Si, si, ça va, j'ai fait une mini-sieste d'une heure. Ah, bah ton idole a payé, tu as level up, Saint-Penny. Congrats. On stream jusqu'à 6h. Non, on va pas abuser. J'ai trouvé le parchemin, mais Val m'a demandé de le cacher. Je prendrais n'importe qui me racontant cette histoire pour un menteur, mais venant de vous. Mais pourquoi elle m'aime bien? Je l'ai tué dans une sauvegarde précédente. Ouais, mais ça... dans une vie précédente, voilà, je suis gardien. Donc j'ai touché sa vie précédente avec ma hache. Tu peux continuer? Hop. Vaël garde et révèle les secrets et que cette capuche vous aide à révéler ce qui est obscur et vous préserve de ceux qui vous veulent du mal. Allez, bah, tu donnes la capuche, hein. Vous êtes également libre de visiter les archives et de prendre les livres et les parchemins que vous y trouverez. Comme bon vous semble, la propagation et la circulation de nouveaux mystères fait partie de notre service. Mais elle est vachement tigeante avec moi. Allez, dis-lui au revoir, tu pourras lui parler des autres trucs après. Ouais, faut pas que je fasse de bêtises, faut pas que je fasse de bêtises. Pas sur ta page de perso. Faut quoi faire? Bah pour que je t'explique. Non, c'est, voilà, c'est là, bah tu vois, t'as tes réputations qui sont là à côté, et tu vois que t'as 3 en honnête déjà. Ouais, bah oui, c'est normal, je suis un honnête homme, moi, Armo. Maximum que tu peux avoir dans une réputation, c'est 4. Ouais. Du coup, tu vois que t'as déjà une bonne réputation de mec... Ah, c'est pour ça qu'elle m'aime bien. T'es une bonne pomme, et c'est pour ça qu'elle t'a cru quand tu lui as dit ça. Parce que moi, tu vois, j'ai même 4 en malhonnête, enfin, pas en déceptif. Et quand je lui ai dit ça, on m'a absolument pas cru. Alors que moi, c'était vraiment. Tu sais, ouais, il m'a dit ça, je le fais. Hein. GG level up, Sleepyhead 55. Bienvenue sur le stream à toi. Welcome, bro. Ok, très bien. C'est cool. Mais en même temps, voilà, dans le RP de mon perso, j'avais dit que j'étais honnête. Bah, c'est reflété dans le jeu. Bah oui, bah tout... Quoi? Mais cassez-vous, vite! Ah, c'est beaucoup trop puissant! Je crois que tu l'as, hein, c'est le nuage vert de ton mage. C'est ça. Pourquoi j'ai pas trouvé le piège? Oh, les théorèmes de Pandragore. Il faut. Il faut une combinaison soit assez de perception, soit assez de mécanique. Il y a tellement de trucs à chourer. Fais attention qu'on le voit pas quand même. On me voit pas, je check.
La 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 la. Bien joué. Petite save. Et level up d'urance. Ouais, puis Alotte et puis Parmigiano aussi. Madame Parmesan. A des racines dans la famille de Silvio Berlusconi, il me semble. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai rencontré dans la rue un Italien, un monsieur qui jouait de la guitare, et je prenais un café, et du coup, il jouait très très bien. J'ai été lui donner de l'argent, mais c'était un monsieur d'une cinquantaine d'années. Il était italien, et il était venu en France comme pèlerin pour voir le Mont Saint-Michel. Et il s'est fait, il était hyper triste parce qu'en gros, bah, il était très propre sur lui, bien habillé et tout. Donc voilà quoi. Et il s'est fait têche par la police du Mont Saint-Michel parce qu'il jouait de la guitare. Il avait mis un truc pour faire la quête en même temps, quoi. Ouais, une cascade. Ouais. Et il me disait, bah, en fait, au Mont Saint-Michel, on a le droit de jouer. Mais à partir du moment où on demande de l'argent, ça passe plus. Putain, d'un côté, ça se comprend, mais lui, c'était un vrai. Enfin, tu vois. Je sais pas, sa musique était belle, son histoire, elle m'a touché, quoi. Il était triste. Il m'a dit, c'est pareil, je voulais faire une visite de la baie et tout. Il m'a dit, ça coûtait 10 euros. Bah non. Mais non, mais ça. Je sais pas, il vit chichement là, il m'a dit qu'il dormait dans un atelier de bricolage. Avec son duvet, il tu vois. Il est à pied de. Non, en bus. Okay. Mais il était très propre sur lui, enfin. Il était en chemise, des belles chaussures et tout, tu vois. Je pense qu'il était juste dans un trip. Il vit chichement, quoi. En pèlerinage, ouais. Bon, j'ai des questions sur les théorèmes de Pangram. À savoir, parlez-moi. Immortel, ça. Pangram était un ancien à Dollywood. Il avait bâti d'intéressantes théories sur les sens et mis au point des techniques plutôt innovantes pour l'étudier. Il était capable de rattacher les âmes au corps après la mort sans pour autant éviter la dégénérescence de ses patients. Il était controversé pour ne pas dire plus, mais beaucoup commencent à comprendre qu'il était tout simplement en avance sur son temps. Le rattachement des âmes après la mort semble poser un léger problème. Les corps sont réanimés et peuvent même conserver des souvenirs et une personnalité, mais ils développent une faim pour la chair vivante. Ah, tout de suite, c'est un problème. Dans cela, ils se mettent à pourrir mentalement et physiquement. Si le processus va trop loin, ce qui peut arriver, ils se transforment en cadavres irresponsables et attaquent tout ce qui bouge. Nous n'avons trouvé aucun moyen de l'éviter. Un effet secondaire plus que gênant, vous avez reproduit là une malédiction contre nature pour de bien maigres résultats. C'est de la nécromancie. C'est insensé, la nécromancie, c'est de la magie. Comme quant à nous, des scientifiques. Pourquoi ne vous prête-t-elle pas les livres? Le hall des mystères révélés protège ses livres, notamment les plus rares. Surtout Grimdahl déteste la nécromancie. Elle pense que c'est dangereux. Je ne comprends pas comment on peut diriger la plus grande bibliothèque de Dyerwood et être aussi hostile à la diffusion des connaissances et des travaux de recherche. Mais je n'ai jamais vraiment compris ces religieux. Certaines connaissances gagnent à rester secrètes. Ça je m'en fous. Ok. Bon bah. Tiens. Vous avez trouvé la dame d'Elégie. J'arrive pas à le croire. Il existe vraiment. Merci infiniment. Il me sera d'une aide inestimable. 500 boules. Mais non, mais c'est nul. Ouais, c'est juste une tâche, ça. Mais tu sais ce qui me fait mal, c'est que Raedri qui m'a donné 500 boules pour avoir laté la révolution. Je vois. Et à côté de ça, la nana, je rapporte un bouquin, 500 balles. En même temps, Raedri qui te donne 500 boules pour la révolution, plus. Mon épée, mais bon. Plus free loot de tout le château. Avec Clodo de l'espace, quoi. Oh, il y a quand même des trucs vachement cool à trouver dans le château. Vous pourriez faire un petit effort, voilà. Ah, bien sûr. C'est bien, il faut toujours poser un petit peu. J'ai level up Bring Crazy and Point Dexter.
sensation 50 gigas avec tout le service Bouygues Télécom est à... Welcome on the stream, bonjour tout le monde, bienvenue. Cela ne semble pas grand chose, ne pas être grand chose, mais j'ai pu utiliser cette bague pour obtenir un peu plus d'argent entre mes traitements. C'est essentiel pour un chercheur sans l'aide d'un riche mécène. Tenez, elle est à vous, vous m'avez donné quelque chose que je n'aurais pas réussi à me procurer seul. Allez, mais donne un peu plus. Bisous. Ça donne des thunes cette année, non? Alors déjà, on va tège. Secte du Mont-Saint-Michel. Financement éternel. Quoi? Plus 5 pièces en cuivre. Anneau simple. Ce simple anneau d'or détient un pouvoir plus grand que le laisse supposer son apparence. Il est passé entre les mains d'animes anciens, de magiciens et d'érudits pendant des siècles, car il octroie à son porteur un revenu régulier. Je comprends pas. Genre, quand je le... Alors c'est pas marqué... tous les combien, mais tu vas régulièrement gagner 5 pièces de cuivre tant que tu portes cet anneau. Non, mais tu peux le mettre sur n'importe qui, hein, je pense. Ah, t'as déjà tout le monde qui a des anneaux? Oh, je fais des tests. Je teste des trucs, là. En 22 heures, tu gagnes combien à ton avis? Parce que niveau farm, ça peut être intéressant, hein. Il y a des allers-retours. Oh non, la manière la plus chiante de jouer. Ah, je crois qu'on a trouvé comment on va se faire de la thune. Des écrans de chargement. Ça va marcher. Bon bah non, mais... Attends, c'est pas une capacité? Du coup, le financement éternel? A chaque fois que t'es en combat, tu peux utiliser le financement éternel. Non, même en dehors de combat, tu utilises tout le temps. Tac, tac. Tac, tac, 5 boules, 5 boules. En plus, c'est un 5 boules. bon, on va level up à l'ot. Voilà, voilà. Ensuite, des sorts. Je prendrai pas un sort de niveau 2. Ah bah non, j'ai déjà mes sorts qui sont bien. Peut-être de niveau 1. Ouais, non. Niveau 3. Neutralisation de magie. Oh, il y a des sorts bien niveau 3. Exposition des vulnérabilités. Ah oui, j'avoue, ça a l'air fort. Alors, c'est quoi le fléau mineur de Kalakot qu'on prenne? Ah, c'est compliqué. Parce que je l'ai utilisé sur ma partie précédente. Je savais pas du tout comment ça fonctionnait. Je comprenais pas. Pareil que c'est pas trop mal, j'ai lu un peu de trucs là-dessus. Mec, tu as une idée peut-être? J'ai l'impression que ça modifie ton auto-attaque pour faire une auto-attaque qui inflige des afflictions un peu random. Et que tant qu'il y a une affliction, bah il y a une chance que l'affliction se relance. En gros, tu fais tes auto-attaques pour faire des AOE. En fait, c'est un petit peu le même principe que le talent dont je te parlais, le pomme. Et tu peux utiliser les deux en conjonction d'ailleurs, c'est pas mal de ce que je lisais. Voile mystérieux, qu'est-ce que c'est que ça? La part est un bouclier protecteur magique qui renforce la déviation du magicien. Ok. Concentre la puissance des explosions, ce qui neutralise une partie de la valeur de réduction des dégâts de la cible. Explosion passive, donc ça augmente le rayon de mes explosions. Explosion, c'est bien mon attaque de base, on est d'accord. Pardon? Non. Explosion. Oui. C'est mon auto-attaque, voilà. Donc je touche plus, enfin je fais plus mal, et ça augmente aussi ma zone. C'est le truc dont le talent dont je te parlais, qui est vachement bien avec le sceptre que t'as. Et pourquoi je peux le faire qu'avec lui? Ou? Bah parce que c'est un talent de mage. Ah, moi quand tu disais qu'avec lui, je pensais que tu disais qu'avec ce sceptre. Bah oui, bah non, tu peux pas le faire qu'avec ce sceptre. Mais avec ce sceptre, comme c'est le seul sceptre qui a un bonus à l'attaque speed, bah c'est celui avec lequel c'est plus intéressant de le faire. Parce que l'attaque speed, c'est le plus important avec ce talent. Yes. Je pense que je vais prendre ça, hein, plus de dégâts. Avec Kana, il faut vraiment que tu prennes assez rapidement la...
la phrase qui booste de 20% la vitesse d'attaque à distance et de 20% aussi la vitesse de reload. Vu toutes les armes à distance que t'as dans ta team, ça vous fait un gros boost de DPS. Parmigiano. Concentration, alors. C'est pour modifier ma concentration zélée. Ça, c'est pas mal, ça. Ça augmente quoi? Plus 5% des coups convertis en critique. Ouah, c'est énorme. Foi profonde. La foi du paladin est plus intense, qui confère des bonus défensifs à sa foi et à sa conviction. Ah, c'est bien ça aussi. C'est pas mal du tout même. C'est Vielo Vidorio. C'est un cri de guerre signifiant victoire rapide utilisé, voilà. Quand le paladin utilise flamme de dévotion, les alliés proches gagnent une amélioration de leur vitesse d'attaque. Ah, c'est pas mal aussi ça, hein. Ouais. Monter la vitesse d'attaque. C'est un truc qu'il y a là grâce à son ordre de paladin. Parce que les paladins, ils ont aussi des capacités en fonction de l'ordre choisi. Mais la foi profonde, je trouve ça hyper fort. Ouais, ça te prend ton temps. C'est un passif que t'as tout le temps, quoi. Vas-y, je le prends. Hein. Elle va devenir un peu plus tanky, c'est pas de refus. Hein. Bien joué, Parmigiano. Durance. Durance va avoir naissance avec son chapeau de pirate. Et il est trop bien. C'est le capitaine Morgan. Finalement, t'as pas rendu le chapeau du capitaine. Non, mais c'est pas celui-là. Ok. Tu l'as rendu les trucs. Ouais, je l'ai rendu. Ok. Bah oui, je suis honnête, hein. Écoute. Le rayonnement inflige des dégâts brûlants aux ennemis. Ah, pas mal. On a les adversaires du prêtre qui étourdit les ennemis présents dans la zone d'effet. Pas mal aussi étourdir gratuitement. Ouais, l'interdiction, elle est cool. Les fidèles de Magran reçoivent un bonus de précision pour l'épée et l'arquebuse. Rayonnement agrandissant. Le rayonnement sacré du prêtre soigne moins bien les alliés, mais le prêtre reçoit un bonus pour tous les attributs et déplacements. Ouais, non. Alors moi j'hésite entre l'intense rayonnement qui fait des dégâts de feu ou l'interdiction. Je pense qu'on va prendre l'interdiction. Voilà. Les deux sont pas mal, mais l'interdiction. Interdiction en priorité, ouais. Je peux jeter plus de sorts comme ça. Le, après tout, le rôle de Durance, c'est pas pour l'instant de faire les dégâts. Et puis bah tu sais quoi, moi je vais m'arrêter là, il est 2h30 du matin. Ouh, bah, je vais m'arrêter là. Les amis sur le stream. Alors déjà, merci à tous. Ça fait plaisir, je vais vous envoyer chez un joueur de Binding of Isaac. Je sais pas si vous connaissez. Vous me direz une fois que vous y serez. C'est un véritable plaisir. Merci à tous d'avoir été là. Alors, c'était super cool. Merci aux nouveaux follow. Merci aux anciens qui sont venus aussi. À tous les lurkers que. Moi, je vous dis à demain, les amis. Et au bisou. Salut Spectre. Salut Saint-Penny. Salut Emrys. Du Kurobeta. Salut. Bonne nuit, Spectre.